Attendez. Hop, voilà. C'est quand même mieux quand on voit quelque chose. Je vous mets vos petits Pokémon. Comment vous allez, mes petits loups? J'ai pas travaillé aujourd'hui encore. J'ai fait la déchéance, hein, mais j'avais trop envie de me poser et de lire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Oh mon Dieu, c'est qui celui-là? Oh Yota, mon Dieu, tu es massif, hein? Wouh! Eh ben dis donc, eh ben dis donc, hein, y a de quoi faire. Alors, comment vous allez, mes petits poulets? Ah bah c'est une très bonne idée, Ao Books. On n'a jamais trop de livres en wishlist, de toute façon, c'est bien connu, hein. Moi du coup, de mon côté, j'ai beaucoup lu aujourd'hui. Et hop, j'ai fait mon petit ménage, tout ça. Courage, Samo, courage. Je croise les doigts pour ton équipe. Oh non, il n'y en a plus depuis vendredi, Astréran. Non, j'ai mangé les dernières samedi matin au petit-déj. Ah, je comprends, Vic, je comprends. Ah, moi j'ai grave mal au ventre. En fait, comme j'ai mes chtups qui ont commencé aujourd'hui, hier c'était la journée de la veille, donc voilà. Et là, c'est le début, donc. J'ai bien de reprendre un Nurofen parce que je commençais à avoir des crampes. J'avais pris un ce matin à 9h, donc ça va, il y a assez de temps, mais je douille, hein. J'ai enfin trouvé une place pour mes trois piles de livres qui traînaient partout. Ouais, trop cool, Gontran! Mais non, oh, mais il est très bien, Tadmorv. 20 à Babel, oui. Oui. J'ai pas encore lu mon manga du jour, d'ailleurs. Mais j'ai terminé Babel ce matin et j'ai commencé le Château solitaire dans le miroir, qui se lit très très bien. Et Libre comme une déesse grecque aussi, qui se lit tranquillou bilou. Hein. Bonne idée, Leïla. Mais plaisir partagé, Lorelai. Ah mince, il n'y a que le tome 1 qui est traduit. Oui, je me demandais si elle avait écrit autre chose, RF Kuang. Et les autres sont pas traduits. Ah, c'est ballot. Ah oui, bah oui, non, on va attendre de voir si ça se traduit un jour. Hein. En soi, si Babel est un carton, peut-être qu'ils traduiront la saga complète. Ah bah ça revient tous les mois, Cassie. C'est mensuel, cette petite chose, hein. Mais si c'est traduit. Bah apparemment pas le tome 2, non, effectivement. Le tome 1, il l'est. Mais pas le tome 2. Ah bah oui, je comprends, je comprends, je comprends l'encontrement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Du coup, ouais, moi il me reste encore mon petit manga du jour. Hier, j'ai lu Vanitas. Je sais pas encore ce que je vais me réserver. Oh, mais j'ai pas envie de le lire en anglais. Non, 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 non. On a assez à lire en français pour le moment, donc. Ah bah t'as raison, Vic, t'as raison. On commence déjà par Babel, hein. Step by step. Ouais, tu m'étonnes, Gontran. Et puis la capacité aussi, hein. Oh, Lorelai, t'es trop mimes. J'ai terminé mon coloriage mystère de film en avant avec des contours noirs. Je ne suis que joie et très fière du rendu. Oh, trop cool, Magic Fay. Salut, Emma! Trop cool, Pripri. Ok, Poupoudre. C'est vrai ou c'est une rumeur, ça? Parce qu'en soi, ça, c'est que pour la maison d'édition. Je suppose qu'il suffit de changer de maison d'édition, du coup. Si, 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 il doit exister encore Ao Books. Si, si, si. Il doit encore être trouvable, je pense. Du coup, ça fait de Babel ton premier coup de cœur 2024. Lui était cool, mais c'est pas un coup de cœur. Ah, il y a Cromwell? Putain, j'ai lu tellement de trucs. If We Were Villains, c'était excellent aussi. J'ai eu très bonne lecture en ce début de mois. Hein. Ouais, j'ai eu Cromwell. J'ai eu Cromwell aussi. Hein. Putain, la nuit est tombée en 3 secondes. Pardon. À quel moment? Hop là. J'ai failli tomber. Petite lumière du soleil qui remplace le vrai soleil. Hop là. Alors, c'est pas comparable à Adi Larue, lecture de lune en termes de thématique. Et il se passe quand même plus de trucs, hein. C'est pas le même genre. En nommé après Cromwell, c'est ça le premier CDC 2024, clairement. Ouais, non, je pense que Cromwell est un bon CDC. Merci pour le follow, Caragloun. Bienvenue à toi. Oh, c'est trop cool, Juju Dev. Trop mignon.
Une bidule, Babel est excellent. Ça parle de colonisation, ça parle de positionnement par rapport à des choses qui se passent et on ne sait pas comment réagir. C'est très intense, très vrai, très beau. C'est un grand roman. Avec beaucoup d'engagement. Bonjour Untermania! Mais bonne idée. Oui, il y a mon sucré qui est sorti ce matin. Bonne idée, Leïla. Alors, comment ça se fait chez Reagan? Oh. Emma, bah tant mieux, écoute. Ah, bah tant mieux, Vic, c'est parfait. Non, Babel, c'est un grand livre. Après, pour le coup, bah, c'est long. Et c'est pas un truc plein d'action, tu vois. C'est vraiment. C'est beaucoup de réflexion. Des choses graves à l'intérieur. Enfin, franchement, il est ouf. No spoil. Mais non, mais je spoil pas. Astréran, est-ce que j'ai déjà spoilé un livre? Astréran, est-ce que c'est pas un petit peu mon boulot de vous faire des résumés et de vous donner envie de les lire sans les spoiler? Astréran. Dis-moi. Ce rire, j'ai peur pour la suite. Ah bah, Prison Healer, moi, oui, j'ai bien rigolé. Hein. C'est pas... Et elle parlait de la vidéo ce matin. Tiens, je te fais un petit bruit d'orgasme pour la peine. Oui, bah oui, effectivement, ne spoilez pas l'épisode d'Amour Sucré de ce matin. Évidemment. Et si, Overcooked? Et si, il a été traduit. Salut, Paradox! Qu'est-ce que t'as aimé dans If We're Villains? Alors, j'en ai parlé dans mon dernier update lecture, je crois. Il était dans mon dernier... Oui, il était dans mon dernier update. Donc, j'en parle un peu plus longuement à l'intérieur, si tu veux, Overcooked. Mais j'ai tout aimé en fait. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé l'intensité des scènes, j'ai aimé le mélange de théâtre et de roman, j'ai aimé l'enquête policière, j'ai aimé le suspense, j'ai aimé le phrasé, j'ai tout aimé. Voilà. Ah, oh, c'est mignon, Gontran. La psychologie, de ouf, Néné, de ouf. Et j'ai aimé la lecture commune, et j'ai aimé la lecture commune avec Néné en plus. Bonne idée, Camille. Est-ce que du coup on n'attaquerait pas mes enfants? Non parce que on tchatche, on tchatche. Mais il y a 15 demandes. Et je ne suis pas sûre que... Alors, normalement mon neurophone devrait marcher, donc d'ici 20 minutes je devrais plus avoir trop mal. Mais s'il marche pas... Ça arrive des fois! S'il marche pas, je tiendrai pas 3 heures. Hein. Donc ton dernier update m'a obligée à mettre If You Were Villains en Wish. Oh, je suis ravie, Gontran. Babel est en lecture commune avec Alice. Ouais, et elle a mis 19. Je vais te faire grincer des dents, haha, mais j'ai commencé le Pont des Tempêtes et pour le moment j'aime bien. J'en suis qu'à la page 70, mais le seul petit bémol c'est qu'à chaque fois Lara commence à penser positif et après elle se redit ah oui, mais non, souviens-toi d'eux, ou encore quand elle se vante dans sa tête avec ça, si tu savais et compagnie. Alors t'es que page 70. En fait, pour moi, le Pont des Tempêtes c'est pas une grosse merdouille. C'est juste hyper plat et convenu. Voilà. Mais je suis pas surprise que t'aimes bien, hein. Ça se lit, quoi. Très bonne idée, Sohoshi, très bonne idée. Ah, Elena, non, faut la motiver. Allons-y, est-ce que mes modos sont prêts? On commence avec Vic et Gontran. Ça, c'est un beau binôme. Très bien, Astrolunaire. De toute façon, je vous en parlerai dans le prochain update de Babel. Hein. J'ai mal au ventre. Hop. Bah ça répond pas vraiment en plus, Gontran. J'avais déjà regardé, ça répond pas vraiment. En vrai, c'est le petit cœur Bmax qui est sous le chat, Clara. Est-ce que vous êtes prêts? J'attends la vague de oui général. Parce que c'est vrai que j'ai demandé aux modos. Ils sont prêts. Maintenant, j'attends la commu. Est-ce que mes choupes d'amour, est-ce que mes petits culs fripés sont prêts? Cul fripé parce qu'il fait froid. C'est des versures. Ça vous apprendra à pas mettre de culotte. Ça me vient comme ça. Ah, j'aime bien ces vagues de oui, je suis ravie. Oui, mais Gontran, je sais que t'es prêt parce que t'écris. Donc ça va. Merci pour le follow, Remil Damon. Alors, on commence avec Dolita. Coucou Tibou, je te laisse un message sur mon profil. Pseudo Dolia. Oh bah, Shiragan, bam! Check-moi ça, ma fille!
Soldat. Coucou Thibou, les modos et le chat, j'espère que vous allez bien. En ce qui concerne mes devoirs, j'ai tout fini. Est-ce que tu peux juste mettre dans mes devoirs Fuck Off Again de Enaël, s'il te plaît? Pour le reste, je te laisse carte blanche. Je t'ai préparé une liste. Je suis persuadée que le numéro 20 sera d'office dans ma palle. Merci et bonne journée. Du coup, pour pas oublier, en case 2, Fuck Off Again. Ah, et tout à l'heure, je me suis fait une tanasse. J'ai rencontré. Oh, j'arrive plus à parler. J'ai rentré mes 18 tomes de Victor Hugo, là, que Mémé Paulette, elle m'a offert sur Livre Addict. J'ai dû créer les fiches. Donc, j'ai fait une demande pour faire la saga. Manitin, c'est le petit cœur Baymax qui est sous le chat. J'ai vu son numéro 20. Oui, c'est sûr, tu le mets. Je vois qu'il y a déjà plein de gens qui ont regardé. Hop. Alors, voyons voir. Combien t'avais de devoirs la dernière fois? En moyenne, je mets deux romans de manga. Oui, il y a deux romans, là. Hein. Oh, et puis des gros, hein. Hop. Voyons. Ce courage. Pourquoi, Gontran? Le numéro 1 doit être la fille du roi pirate. Ah, bah, au moins, hein. Ah, c'est là. Ah, fuck off again. Quechelle! Carte des confins. Ah, bien deviné! Bien deviné! Ah, bah, tiens! Ah oui, il y a deux suites consécutives là. Ah! T'as pas mal de choses intéressantes. Alors, en case 1, la maison au milieu de la mer, c'est Riléen. Voilà. Patatounette, c'est trop mims. Tu peux mettre un peu plus, j'ai fini mes examens. Ça marche. Si je suis dans le doute, je n'hésiterai pas. Je sais pas si je le mets aussi dans la case 1. Dans la case 1, toujours miroir, miroir. Dans la case 2, avant Fuck Off Again, Seasons, tome 2. Ah, trop cool, mini, 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 mini. Oui, c'est vrai, Eliana. Mais c'est pas très grave, c'est du feel-good, quoi. Merci, Leïla, pour ton resub. Ah merde, Cassidy. Ah, ça, c'est con, ça. Dans la case 3, 6 couronnes écarlates avec Tant que fleuriront les citronniers, dont j'ai beaucoup entendu parler. Et dans la case 4. Le royaume des damnés, tome 2. C'est pas moi, hein, celle qui l'a acheté. Avec la nuit où les étoiles se sont éteintes. Pareil, Alice. Pareil. Oh, il y a Babel! J'avais pas vu qu'il y avait Babel! Ah, mais il faut que je mette Babel! Ah, oh, j'ai mal au ventre. Attends. Oh, bah, j'ai envie de dire à la place du royaume des damnés, tome 2. Hein? Bon, ça peut attendre le royaume des données, tome des données, tome 2. C'est pas. Est-ce que c'est pressé? Non. Je ne crois pas. Je veux des retours sur tout. Et écoute, je te mets quand même le royaume des damnés, tome 2, mais en case 1. Voilà. Ah bah Dolita, voilà. Tu vois, on s'est compris. Tu as lu dans mon esprit. Salut Élise. Comme t'as dit que tu pouvais mettre un peu plus. Comme miroir, miroir et tout petit. Miroir, miroir, compte en bonus. Est-ce qu'il y en a un autre qui est tout petit? Au cas où. Lui, il est petit, hein? Tiens, chère mamie, il est vraiment minuscule. En case 3, je t'ajoute chère mamie. Et ça aussi, c'est tout petit. Et en case 2, je t'ajoute l'arbre et le fruit. C'est bien de mettre les pages, en fait. Et en case 4, les larmes de l'assassin. Je t'ai rajouté des petits partout. Comme ça fait plein de petits. C'est bien des petits. Estelle, coucou Thibou. Premier devoir pour ma part, car je n'ai pas d'habitude pas assez de livres dans ma palle, mais là, avec Noël et mon anniversaire, c'est tout bon. Je te laisse un mot sur mon profil Livre Addict. Estelle la pastel. Estelle la pastel, c'est trop mignon comme pseudo. C'est trop mignon. Gontran. Bande de toqués, va.
Coucou Thibaut, ça fait un moment que je voulais participer à ce super concept. J'aimerais, s'il te plaît, trois romans par case. Si tu peux alterner entre des romans plus lourds comme de la fantasy et des plus légers comme de la romance, ce serait génial. Si besoin, pour compléter, tu peux aller piocher dans ma liste suite saga. Merci d'avance. PS, les Acotars sont une relecture. Est-ce que du coup j'ai une liste? Non. Bon, il y a une liste suite saga au cas où, mais je vais quand même dans pile à lire. Alors, tu relis les Acotars. Tu relis les Acotars, c'est ça? Trois par case? Ouais, je vais tout mettre, hein? 3 fois 4, 12. Il en manquera même un. Ça va faire beaucoup, non? T'es sûre, Estelle? Je sais pas si Estelle est là, parce qu'elle a mis sa demande il y a 9 h. Ah, tu es là, Estelle, merveilleux. T'es sûre que t'en veux 3 par case? Oh, Ori! Tu t'es déjà fait donner. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça? Je savais pas. Oui, je lis beaucoup. Eh bah écoute. Soit. En case 1, le clan Bennett, tome 1. Avec nos plus belles années. Attends, un cotard. Ah, tu viens de le lire, mais là, tu lis autre chose. Tu lis autre chose. Donc dans la case 1 aussi, à Cotard tome 3. Je connais pas Ori. Dans la case 2. Mais lui, il fait 1000 pages, hein. Dans la case 2. La chair et le feu, tome 1. Avec. C'est la choupe qui demande, c'est même moi qui veux pas, tu vois. Avec Akotar, tome 3,5. Et Wish, tome 4. Bah, Leslie, avec plaisir. C'est un intégral, c'est pour ça. Bah oui, mais ça fait quand même un nombre de pages énorme, quoi. Salut Clémence! Ah bah Vic, oui, genre, même moi ça me chamboule. Dans la case 3, Akotar, tome 4. Avec The Devil's Son, tome 3. Et Brume amère. Alors Brume, plus loin A, plus loin mer, MER. Dans la case 4, l'Empire du Vampire, Crescent City tome 1, et on va piocher dans le sud de saga. C'est énorme là ce que t'as, hein? Il me faudrait du coup, oh, Crescent City t'as de la romance un peu, mais c'est pas un roman de romance. Et bah avec Lights Out, tome 2. Bah, trop cool, Camille. Ouais, Shiragan, ouais. T'es sûr que ça va? Ouais, j'ai mal au ventre, c'est tout. Il faut que ça passe. Hop, on est bon pour Estelle. Alors, on te revoit dans 6 mois, mais bonne lecture. Ouais, j'ai mes ch'tubes, Alice. Elles ont commencé ce matin, donc. Ah oui, Estelle, ah oui, t'as un sacré rythme, d'accord. Et Vilfer, coucou Thibou, les modos, les choupes. Déjà pour commencer, désolé pour la semaine dernière, entre journée compliquée et internet qui plante au pire moment. Alors je viens donc demander des devoirs, tout sera expliqué sur Livre Addict, pseudo Luxifer. Oui, c'est vrai qu'elle voulait la semaine dernière, mais c'était pas clair, il y avait un truc qui allait pas. Donc très bien de refaire la demande maintenant. Ça marche bien, le refaire sur. Oui, ça marche normalement. Bah ce matin, j'ai pris, ça a passé, ça passe à chaque fois, mais il y a des fois où ça marche pas. Donc. Merci, Gondre. J'ai pas de bouillotte là. En fait, on n'avait jamais reçu de demande. Ah oui, c'est ça, elle avait pas fait de demande au final. C'est vrai. On avait attendu à la fin. Non, j'ai pas pris ma bouillotte. C'est vrai que je l'ai laissée dans le bureau. Enfin, dans la chambre. Mais je pense normalement le Nurofen devrait agir. Faut juste un peu de temps. Je l'ai pris à 35. Donc, normalement, 5-10 minutes, c'est bon, hein.
Alors, Lucifer, tout est expliqué sur Livre Addict. Ah oui. Recoucou tout le monde, il ne me reste que quelques pages de mon dernier devoir donc je viens de faire le plein. Tu peux piocher dans PAL, dans la liste lecture et bibliothèque, priorité à la PAL. Tu peux mettre deux romans par case et autant de BD et manga que tu veux. J'ai nettement augmenté ma vitesse de lecture donc tu peux te faire plaisir. Merci et bon stream à tous. Très bien, donc je fais la moyenne pour tout le monde quoi. Priorité à PAL, très bien. Moi j'avais commencé par L, Sohoshi. Si ça, je sais peut-être pas vraiment, mais. Gontran. De toute façon, ça marche pas, moi. Ah, ok. Alors, en case 1. Bah, s'il faut priorité à la palle, je vais te mettre tout ce que t'as. En case 1, Bridgerton, tome 3. En case 2, Bridgerton, tome 4. En case 3, Bridgerton, tome 5. Et en case 4, Bridgerton, tome 6. Une ceinture bouillotte. Putain, ça doit être ouf. Après, en vrai, si là je mets ma bouillotte sur mon ventre, ça marche, hein. Mais bon. T'es pas obligé de mettre tous les Bridgerton. Bah, tu m'as dit priorité à ta palle. Moi, je te mets Bridgerton. Mais j'avoue que je t'aurais bien mis qu'un seul tome, hein. Et bah, dans ce cas-là, on enlève tome 5 et 6. Et on met le tome 4 en case 3. Désolée. C'est pas ma faute, Vic, hein. Là, faut que tu tapes. Il faut que tu tapes Evilfair. Pas les 4, t'inquiète. Ouais, voilà, je m'en doutais. Et bah, en case 1 avec, je te mets les contes interdits Blanche-Neige. Avec une ceinture, ça veut dire que tu peux te déplacer sans avoir la tête pour pas qu'elle tombe. Oui, mais après, je reste chez moi, tu sais, donc. Bon. C'est pas un seul livre pour deux tomes. Si, mais je les divise en général pour que ce soit plus digeste dans le tableau. Bibliothèque ensuite. C'est moi ou Livre Addict il lag? Quittez Livre Addict! Ceci n'est pas un exercice! Oh, innocent! Ah, oh, bah t'as plein de choses en médiathèque! C'est très bien tout ça! Dans la case 2, le cirque des rêves. Avec. Un pacte avec le roi elfe. Ah bah oui, Alice. C'est comme ça, la pacte, c'est bizarre. J'allais quitter, mais je me suis aperçue que j'étais même pas dessus. J'aimerais lire plus, je sais pas vraiment où trouver le temps. J'ai fait une grosse pause pendant 2 ans, je lirais presque plus et en fait j'ai du mal à m'y remettre. C'est normal, c'est comme quand tu stoppes le sport. C'est dur de reprendre le rythme. Hein. Dans la case 3, on ajoute la nuit où les étoiles se sont éteintes. Et dans la case 4, on part sur la fiancée, tome 2, avec Mémoire de la forêt, tome 1. Bonjour, Oni! Faut que tu ailles à ton rythme, patatounette. Un livre qui t'intéresse beaucoup, qui t'attire beaucoup, et à ton rythme. La fiancée, c'est tome 1. Ah bon? Ah oui, j'avais pas vu, ils sont séparés, c'est pour ça. Est-ce qu'il y en a un autre qui est une suite, alors? Attends. Bon, on va mettre la fiancée tome 1. Oui, il est dans la liste, mais en fait, comme il était à 4 places au-dessus, j'ai pas fait gaffe. On revient en case 1 et on ajoute Innocent tome 5 et 6. En case 2, La Rose Écarlate tome 1 et 2. Mais non, patatounette, t'inquiète pas, tu vas trouver ton rythme. Du temps, ça se trouve. Du temps, ça se trouve. Il faut que tu vois un petit peu. Est-ce que tu as du temps, par exemple, que tu passes d'une manière où tu procrastines? Par exemple, où tu traînes sur TikTok. Je dis TikTok parce que c'est souvent un exemple. Dans la case 3, la tour fantôme, tome 1. Avec. Les filles au chocolat, tome 1. Ah, mais moi aussi, lecture de lune! Et dans la case 4, les carnets de cerises, tome 1 et 2. Bonjour Mathieu Rudeau. Et c'est bon pour Lucifer. Non, alors, Gontran, je pensais pas vraiment à ça. Je pensais plus du temps où je regarde le plafond en mode « Oh, ça me stresse de faire quelque chose, mais j'ai pas trop envie de faire un truc. Mais en même temps, si je fais rien, je culpabilise.
Ah, et du coup, tu vas sur les réseaux pour te protéger la tête et en fait, bah, tu perds des heures et après, t'es pas content de toi. Tu vois, ce genre de moment? Bah, toi, je sais pas si tu vois parce que tu taffes tellement que je suis pas sûre que t'en aies beaucoup, mais moi, ces moments-là, je déteste, hein. J'accepte un peu, mais au bout d'un moment, il faut, j'essaie de me forcer à sortir de là et la lecture, ça aide bien. Lyra Pixel Pillow. Bonjour Thibou, j'ai vu ta story Insta, je prépare donc ma contrepartie devoir lecture. Mon pseudo livre addict c'est Lyra Pixel. Bisous à cet après-midi. Lyra Pixel, ce message est fort soyeux. J'arrive. Et c'est tes premiers devoirs? Oh, c'est ses premiers devoirs! Hop. Je vois un peu trop même. Bah en fait, j'ai beaucoup de trucs à faire et du coup, ça me fait un surplus d'infos et je dors. C'est que t'as besoin de dormir aussi. Moi, pour le coup, je lis avant de dormir et des fois, je lis pas longtemps, mais ça m'aide à bien dormir. Je te rassure, quand je rentre du boulot, je suis capable de me noyer dans TikTok pendant 10 minutes, temps ressenti, 1h30 temps réel. Ah, je comprends. Pareil, neuro, ça va beaucoup mieux pour moi. Alors, ça m'arrive encore, bah, rien que cet après-midi, hein, parce que du coup, j'étais pas motivée, j'avais pas envie de travailler. Et en fait, au début, j'étais assise après déjeuner, j'étais sur mon téléphone. Et je venais de décider que j'allais pas bosser cet après-midi. Et je suis restée sur TikTok, genre 20 minutes. Et après, je vois l'heure, je fais, hé, hey, wesh! Non, en fait, c'était pas le plan. Et mais tu sais, j'ai dû me secouer mentalement. Du coup, je fais un geste physique, tu vois. En mode, allez, hop, tu vois, ça aide à sortir de ta phase mentale. Fanny, juste, il faut que tu aies une pile à lire. C'est la seule chose dont tu as besoin. Ouais, je comprends, Gontran. Bah, TikTok, j'arrive à doser aussi, sauf quand je suis dans cet état d'esprit-là. C'est quand je suis un peu en mode procrastine, en mode... J'ai pas le moral. Ah, on n'est pas amis, Lyra, donc je peux pas voir si t'as mis un petit mot. Je sais pas si t'es là, Lyra. Est-ce qu'il y a une liste? Je pense pas, la pile à lire est petiote. Oui, c'est vrai, Alice, toi t'es très extrême. Oui, tu es là. Merci pour le follow, Elana Cactus! Il n'y aurait pas eu de stream, je me serais endormie devant TikTok. Ouais, ça, tu vois, ça, je peux pas, moi. J'essaie de vraiment... TikTok, c'est pas bon, hein. Enfin... Tous les réseaux, c'est pas ouf dans l'excès, mais on va dire que TikTok, avec le fonctionnement que c'est à, tu peux vraiment y passer très longtemps. YouTube, tu t'en rends compte quand même, je trouve, plus facilement. Même si tu peux aussi y passer beaucoup de temps, mais. Ouais, t'as raison, Neneu. C'est la première fois que je me sers de livre addict, donc c'est assez brouillon pour le moment, je m'excuse. Ah non, non, mais c'est très bien! Je veux juste être sûre de pas me tromper. De vendeur de bonbons. De quoi tu parles, Emma? Du coup, Lyra, on est d'accord que tes livres, c'est bien ceux-là. T'as ça en pile à lire, hein. Et du coup, je t'en mets. Bah, je peux t'en mettre deux par case, mais ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Oh, quoique, il y a du manga. Je vais pas te mettre une trop grosse pile, d'accord? Donc, alors, ce que je vais faire, je t'envoie une demande d'amis. Comme ça, déjà, je saurai que t'es bien une abonnée, il n'y a pas de doute. Bah, mais pour toi, j'ai grave des lives de vendeurs de bonbons. Oh, pendant une période sur TikTok, j'avais que des lives. Alors, j'ai quasi jamais des lives quand je scroll, mais à un moment, j'avais que des lives de gens qui faisaient médium. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ces connards? Parce que clairement, c'était du. Oh, je sens que tu as perdu quelqu'un que tu aimes. Ah, ça me dégoûte, tu sais. Ça me dégoûte de jouer sur ça pour les gens, enfin. Et du coup, j'étais en mode, mais arrêtez de me foutre ça, putain, j'en veux pas! Et j'en ai plus. Donc, tout va bien. C'est. Hop. Alors. Attends, est-ce que Lyra m'a redit quelque chose? Ouais, oui, Emma aussi. Je sais pas ça, moi, pour le coup, j'ai pas. Non, tout va bien. Ça m'embête de te mettre toute ta saga. On va essayer de diversifier un peu. En case 1, Heaven Official's Blessing Book 4. Tome 4. Enfin, Heaven's Official Blessing, tome 4. Manitil, c'est tous les mois que je peux vous faire ça. Alors, toi, alors imaginons tu demandes des devoirs lecture aujourd'hui. Donc, on est le 21 janvier. Tu pourras redemander au stream qui sera vers le 20 février. Alors, ça sera pas exactement le 20 parce que bah, les mois, c'est pas exactement mimétique. Mais ça sera sans doute le 25 ou le 18. Tu vois, la semaine, enfin, le jour qui tourne autour de la date que tu as. Si par contre, toi, tu prends 3 mois pour faire tes devoirs, il n'y a aucun souci, tu n'as aucune date limite de ton côté. C'est juste moi pour limiter le nombre de personnes que j'ai fait cette limite-là. Non, j'ai pas le permis, Leïla, moi. Miam Nawelaz. Ah, oh, ça me donne faim. Est-ce que tu t'en es sortie, Lisandre?
Ou t'es juste que t'es encore sur la case? Mais avec plaisir. Les zounets! Oui, c'est bon. En case 3. Attends. Oui, c'est ça. En case 3, même lecture, mais avec le tome 5. Ouais, je m'en doutais, les zounets, mais comme, en fait, comme on voit pas sur les cases quand vous êtes dessus, c'est pour ça que je demandais. En case 2, le fantôme de l'opéra. Et en case 4, le grand maître de la cultivation démoniaque, tome 1. Je commence à avoir un peu moins mal au ventre. Je me tiens le ventre là. Par en dessous. L'avantage d'avoir un gros bidou, c'est qu'on peut l'attraper. C'est vrai que si j'avais le ventre plat, je serais plus emmerdée, hein. Et on ajoute dans la case 2 et 4. Ah non, ils se suivent pas. Ben on ajoute dans la case 2 les mémoires de Vanitas, tome 6. Comme quoi, Océane? Je l'ai pas lu, le grand maître de la cultivation démoniaque encore. Mais comment ça se fait que t'es tome 6 et 10, Lyra? Il t'en manque au milieu! Allez, laisse lire. Oui, d'accord. Bon, on va rester comme ça, du coup. C'est parfait pour Lyra. Canette Zéro. Bonjour Thibou, j'ai fini tous mes devoirs et je viens donc en prendre de nouveau. Mon pseudo, c'est Canette Zéro. On est sur le même pseudo que Steam, bien sûr, que Twitch. Du coup, j'ai qu'une main, puisque l'autre tient mon ventre. Dans la vraie vie, il m'en manque, je les ai pas tous reçus. Ah, la dure vie. Mais tu arrives pas à quoi? À passer le permis ou à t'inscrire ou à quoi? Ah bah vous êtes plusieurs dans ce cas-là, hein, chaton. Allez, livrette. Ah, les streams couillés le dimanche soir, faut qu'on arrête, faut vraiment qu'on les fasse à 5h du mat en fait. Coucou Thibou, coucou les choups, j'espère que ce début d'année se passe bien. Merci pour ton sourire et la bonne humeur que tu partages. Je viens de finir le tome 3 de Anne, j'ai hâte de voir ce que tu vas sélectionner dans la liste que je t'ai préparée. Oh là là, ce petit message si clair, si limpide, j'adore. Et elle a mis 18 à Anne, je suis très contente. Hop. J'aime, je valide à bas tout le monde, hein. Non, par contre, si vous pouvez quitter Livre Addict, je sais que alors, ça changera pas tout. Mais ça aide quand même quand vous êtes plus dessus, hein. Oui, les honnêtes, j'imagine, hein. Patatounette, quitte Livre Addict! Ça va mettre un réveil à 4 heures pour pouvoir être là au stream. Ouais, mais il y aurait contre-temps. Il est en forme à 4 heures du mat, lui. Allez, oh là là! Ah merde, Vic, mais normalement c'est possible en plus si tu prends une pilule quotidienne, non? Parce que j'ai des potes qui avaient arrêté d'avoir leurs règles en prenant une pilule tous les jours. Donc normalement c'est jouable. Oui, j'imagine, Titi. Alors, qu'est-ce que je t'avais mis la dernière fois? Putain, une main, c'est pas pratique, hein. De toute façon, vu comment le site lag, disons que. Ok, donc il y avait deux romans ou un. On est quand même plus sur deux. Soit. Donc on bourrine pas, on bourrine pas. C'est pas facile pour moi de pas bourriner, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Oh, il y a Catherine. Oh, il y a Ariane. La faucheuse, faudra dire la suite quand même. Oh là là, il y a Anne. Ah, oh là 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 là. Bon, tu vas en avoir deux par case, hein. Pareil, j'ai plus mes règles avec ma pilule. Ouais, vous êtes plein comme ça. J'ai quand même des saignements, pas beaucoup, mais trop pour que ce soit pas chiant. Mais tu veux pas de saignement ou tu veux pas de douleur? Mais normalement, tu peux avoir une pilule qui t'empêche de les avoir tout court. En gros, ça fait croire à ton corps que t'es enceinte, quoi. Comme une pilule normale, hein. Du coup, bah, il te déclenche pas. C'est fort pratique. Du coup, tu viens de lire Anne, donc je vais pas te mettre Anne tout de suite. Par contre, en case 1, on part sur La voleuse de livres et Akotar tome 2. Bah, je viens de finir Emma. Je viens de finir Emma. Je viens de finir Babel, Emma, donc Nevernight va attendre un petit peu, mais je vais pas tarder. En fait, le but, c'est d'arrêter les saignements, mais ça marche pas avec moi. Ça dépend peut-être de la pilule, hein. Normalement, ça doit marcher. Il n'y a pas de raison que. T'as peut-être la pilule qui n'était pas assez dosée? Parce qu'en fonction des morphos, etc., faut essayer d'autres trucs, je pense, hein.
Après, bon, là, si t'as un truc qui te convient, je comprends que ce soit casse-couille de changer. Hein. En case 2, on part sur Ariane et les Reines Maudites, tome 1. Ah, c'est original, Elena, du coup. Ah, Elena, je comprends. En case 3, la Faucheuse, tome 2, avec Phobos, tome 3. Quoique Phobos tome 3 passe en case 4 et on met Anne tome 4 à la place. Tchouk tchouk. Et j'ai déjà plus de place. Oh, je lui mettrais peut-être une petite romance quand même parce qu'elle en a plein. Même s'il y a en soi de la romance dans ces trucs-là, mais tu vois ce que je veux dire, romance machin. Et bah en case 4, on rajoute It's Raining Love. Voilà. It's Raining Men. Alléluia. Phobos me tente bien. Le 1 est bien. Et c'est bon pour Canette. Jujudev. Hello, j'aimerais de nouveaux devoirs. Pseudo Jujudev. Je te laisse mettre ce que tu veux en devoir. J'ai fait une liste possibilité de voir si vous. Merci beaucoup. Hop. Ah, la suite de Phobos, je me rappelle encore du tome 2. Alors, je l'ai lu il y a longtemps. Hein. Comme quoi, des fois, quand tu lis de la merde, bah, ça te marque efficacement. Hein. T'as un petit. Des petits traumas. Des petits. T'as des trucs comme ça, toujours la fille du roi pirate le marmouth d'Ebène, hein, c'est ça, il y a des trucs qui marquent. Hein. Ouais, ça a été un peu la déception de Victor Dixon pour le coup. Là, Après, peut-être ça s'arrange après, hein, mais bon, disons. Oh, 19, ah oui! Alors, j'ai une petite listouille. Ah, ouh. Oui, non, mais le tome 2, ouais, non, le tome 2. Bah, t'as plein de HC, tu vois. Moi, c'est Vampiria auquel j'accroche pas. Ah ouais? Vampiria, c'est mieux passé. Oh. Continue, petit bidou, fais ton travail. Tu peux gérer, tu peux gérer. Je sais que là, c'est douloureux. C'est pas foufou. Là, on n'est pas au top. Puis je te fais. En plus, je parle, je te fatigue. Mais tu peux deal with it. Tu sais? Tu vas le faire. Ok? Un petit massage rapide, je peux pas te faire un gros massage, mais on va surmonter ça tranquille. On a cette nuit qui va être chiante, et demain matin, et à partir de demain midi, ça ira mieux. D'accord, petit bidou? Moi, t'es un bon petit bidou, je sens que ça travaille un petit peu, hein. Ça va se faire. Ça va se faire, petit bidou. On va surmonter ça bravement. Tu peux gérer les crampounes, hein? Le temps que je donne les devoirs, parce que les choupes, il faut qu'ils lisent quand même, hein. Bah oui, c'est un bon petit bidou, ça. Oh, c'est mon petit bidou! C'est mon petit bidou à moi, qu'il est courageux, ce petit bidou. C'est bien. Vas-y, reste au chaud, petit bidou. Mets le petit plaid. Voilà. Je fais tout à une main, d'accord? L'autre main, elle est pour toi. Alors. Oui, je parle à mon petit bidou. Oui. Une personne inconnue arrive à tout moment, on se dit, tu parles à ton bébé. Je parle à mon petit bidou! C'est important de soutenir le petit bidou. Hop. Hop. Premier degré, quand je parle à mon corps de manière fréquente. Alors, pas toujours de manière maternelle, mais de manière générale. Pourquoi je la trouve pas, Juju Dev? Attends. Ah, c'était pas au bord. D'accord, il y a un espace. Tu remarqueras que personne n'a bronché, c'est devenu normal pour nous. Alors que c'est pas quelque chose que je fais avec vous d'habitude. Mais c'est que vous me connaissez bien, ça. Hein. Ça, c'est. C'est vous qui parlez à son ventre comme elle parle à ses chats, c'est la chose la plus mignonne que j'ai vue cette semaine. Vous êtes trop mignon. C'est marrant, j'ai rarement, mais c'est toujours quand t'as mal au ventre. Bah, tu viens tous les mois, quoi. Au moins, il y a le calendrier, hein. Tous les 28 jours, Fanny va bien dire bonjour, là. Salut! Du coup, tu avais. Oh oui, je t'avais bourriné, Juju! T'avais trois romans par case, toi! Et t'en reste deux: L'Empire du Vampire et Vampiria. Ça marche. Un truc de vampire, quoi. Là, il te reste du vampire à balles. Hein. Oh, y a Babel!
Est-ce que je vais encore être une élue? Ah, tout ça. Tout ça. Fanny, elle est mère nature, exactement. Alors, bah écoute, si tu veux être une élue, moi je peux te faire de toi une élue, y a pas de problème, hein. Ah, ça c'est bien aussi, ça. Il est pas sorti, lui, encore. Ok, alors. En case 1, on va quand même essayer de partir avec deux par case, hein, de base, hein. Mais, Dégontrant. Alors, en case 1, en sachant que là, il te reste quand même deux livres de vampires. Après, ça se voit que tu pioches comme tu veux. Donc, en soi... En case 1, on va mettre Maple Hills, tome 1, avec If We Were Villains. Pas de soucis, j'ai déjà été deux fois. C'est que t'as une bonne palle. Si tu peux mettre Maple Hills tome 1 dans la case 2 et à la place dans la case 1, la société très secrète des sorcières extraordinaires. Courage, Leslie, courage. Tu vas gérer. Parfait. Où est-ce qu'on pourrait le mettre celui-là? Dans la case 4, I'm not your soulmate, tome 1. Avec ces prières que je fais dans le noir. Ça lui laisse le temps de sortir. Il sort quand lui déjà? Bientôt, non? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une autre page. Bon anniversaire, Zoé! Ah, il est sorti! Ah oui! Ah, j'avais loupé qu'il était sorti. Ah bah oui, bah du coup, oui, bah très bien. Moi, je te l'ai mis loin, mais... En case 2, je t'ajoute Grisha, tome 1. Non. En case 2, je te mets Babel. Parce que je vais te mettre des petits bonus. Ouais, il est sorti le 17, effectivement, livre au cœur d'un rêve. Augustin. Pff. En case 3. Nevernight, tome 1. Bisous Camille! Avec Absolu, tome 1. Si tu peux m'intervertir, Nevernight, avec ces prières que je fais dans le noir, ce serait fort soyeux. Oh, Valine, c'est tellement chiant. Courage! Et on va ajouter dans la case 1, Grisha tome 1. Dans la case 2, Rebelle University tome 2. Rebelle University tome 2. Dans la case 3, merci Chine, bonjour à toi. Dans la case 3, Gwen and Art are not in love. Et dans la case 4, Chronique de la Cour des Failles, tome 1. J'ai peut-être parlé un peu vite. Dans la case 2, Rebelle University, tome 2. Dans la case 3, Gwen and Art are not in love. Dans la case 4, Chronique de la Cour des Failles, tome 1. Ou alors à miroir. Ce serait plus court. Eh ben, ça me semble très bien. J'imagine, Chine. Et on est bon! Tu es encore une élue, du coup, Juju, hein. On change pas une équipe qui gagne, hein. On ne s'arrête plus. Priya! Coucou, il me reste un devoir qui est le tome 4 d'Akotar. Pseudo Priya. Combien je te mets d'habitude à toi? C'est vrai qu'en ce moment, je prends pas mal l'habitude d'aller vérifier ce que je vous mets avant. Alors, Pripri, t'avais un roman par case avec deux mangas.
On reste sur le même rythme, Pripri? Salut Yot, comment tu vas? Coucou Thibou, me revoilà pour de nouveaux devoirs. Je t'ai fait deux listes, romans et manga BD, romans graphiques. Si possible, ne pas me mettre de gros pavés pour les romans, environ 500 pages max, ce serait sympa. Par contre, pour les mangas BD, fais-toi plaisir, normalement j'ai tout dit, à toi de jouer. À toi de jouer! Yogi Yo! Tout, 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 tout. Ah, ouh page max. Hey, tu me fais du mal, hein? Ah bah là, bah là. Ah bah, Pripri, on était connectés. C'est le petit cœur Bmax sous le chat, paradoxe. En fait, la commande devoir lecture, les modos, ça explique le concept, mais ça dit pas comment on fait la demande. Juste. Tu vois? Ça fait plusieurs fois que je vous vois répondre ça. Ça répond pas. Mais ça, c'est toujours utile, hein, mais... Ah, voilà, c'est pas mal, Gontran, comme complément. À la limite, il faudrait qu'on modifie. Mais... Parce que c'est vrai que ça dit pas dans le message que c'est le petit cœur Bmax. C'est ça qui manque. Alors, 500 pages... Ouais, mais c'est chaud, Pripri, hein. C'est chaud, hein. 500 pages max... Bah surtout si je fais un par case en fait. Bon. Alors je suis un peu embêtée pour le Teji Clown parce que t'as la maison, mais tu as lui où t'es très impatiente. Mais je trouve quand même que c'est plus sympa. De toute façon, c'est plus que 500 pages. Donc en case 1, la maison au milieu de la mer, c'est Riléen. Ouais, c'est vrai, Sophie. Après, je vais faire en moyenne. Tu vois, genre là, il y a un 360. Si je mets lui en case 3, j'en mets un plus gros, tu vois. Disons que c'est un équilibre de la force. Je te mettrais bien du classique. T'as des trucs très stylés là. Hein. Alors, vu que lui, il est petit. Alors, on va mettre Frankenstein en case 2. À voir si je rajoute un truc ou si j'en mets un plus gros après. Peut-être, Gontran. Faudrait voir. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Lyra. Tu fais comme... Si tu les rends dans 3 mois, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez tout à fait abandonner également des lectures. Hein, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai, Titi. C'est pas bête, ça. Oh là là, il y a carrément le nom complet qui a été noté. Incroyable. Alors, le truc, c'est que... En case 3, c'est plaisir violent. Alors là, techniquement, en termes de pages, on est plutôt en dessous de ton maximum. Là, il y a 40 pages de plus. Là, il y en a 30 de moins. Et là, il y en a 200 de moins. Donc, je peux tabler ou sur un gros pour le dernier. Ou sur deux petits. Parce que lui, il est cool. Bah, dans la case 4, je te mets Chronique de la cour des Fées, tome 1. Avec... Ah oh, putain, j'aimerais bien te mettre ça en même temps. Un petit... Avec Robin des Bois, tome 1. De Dumas. Mais bien sûr, petit bélier, avec grand plaisir pour ta fifille. Tu lui fais ta demande. Tu fais sa demande pour toi? Attends, je vais la refaire. Tu fais sa demande sur ton compte? Tu précises que c'est pour elle et je m'occuperai d'elle avec un grand plaisir. Hop. Ouais, tu m'étonnes, Lyra. On est en rayon plein stress. Exactement. Maintenant, du coup, BD manga. Ah, hésite pas à me préciser, du coup, pour ta fille, Tibélier, si elle lit beaucoup. Et combien tu veux que je lui mette? En général, je mets deux romans et deux BD ou manga par case. Si tu veux, si elle veut plus, si elle veut moins, n'hésite pas.
Super, merci beaucoup, je te prépare une liste pour un prochain stream de voix. T'auras peut-être le temps de le faire pour aujourd'hui, hein, parce que là j'ai 13 personnes encore. À voir comme vous voulez toutes les deux, il n'y a pas de souci, sinon ce sera la semaine prochaine ou un autre moment, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça me fait très plaisir qu'elle veuille. Alors, pour Pri-Pri, eh ben, on va commencer Heartstopper. En case 1, Heartstopper, tome 1, avec Fairy Tail, tome 36, et L'amour est dans le thé. Quoique ça fait peut-être un peu beaucoup. On va rester sur... On va voir, on va laisser ça déjà. Personnes, ça représente une bonne heure de stream. Ouais. En moyenne, ouais. Coucou Ruby. L'amour est dans le thé, pas dans le pré. Et c'est le tome 1. Le 2 va pas tarder à sortir d'ailleurs. Dans la case 2, Bloody Harry, tome 2. Avec Le cœur et le devoir, tome 1. Ah bah Ruby, c'est parfait. Et L'amour est dans le thé, c'est tome 1. Hein. Même si pour... Ah c'est bon, je savais pas si t'étais sur autre chose. Parfait. Dans la case 3, Heartstopper, tome 2, avec My Hero Academia, tome 15. Tu pourras lire à la maison si tu veux, Watt. Attends, j'attends que Vicky soit. Je me remets tout juste à la lecture. Ben c'est très bien, Ruby, je vais à ton rythme. Pas de soucis. Et en case 4, Bloody Harry, tome 3, avec Vigilante, My Hero Academia Illegals, tome 3. Désolée, c'est pas moi qui invente les titres. Hein. C'est vrai, Watt, c'est vrai. Salut, Lampalaire! Et t'inquiète, Ruby, le site Livre Addict, il est un peu compliqué à prendre en main au début, parce qu'il y a plein de choses, mais en fait, c'est très logique. Une fois qu'on est dessus, ça va. Ok, tout va bien. On est good pour Pri-Pri. Souris. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. J'aimerais de nouveaux devoirs de lecture. Mon pseudo livre addict, c'est Souris. Tu trouveras un petit mot sur mon profil. Je ne sais pas si je pourrais être présente. Bon stream à tous et merci. J'aime beaucoup ce petit pseudo tout mignon. Reste deux devoirs. Allons-y. Hop là. Avec plaisir, ma Pri-Pri. Bisous patatounette. Et coucou Leila Bourgois. Peut-être bourgeois que tu voulais mettre, mais le E n'est pas au bon endroit. Je demande donc des devoirs pour la deuxième fois. Il me reste deux devoirs, changer l'eau des fleurs et le cri. Je t'ai fait trois listes, livres papier, e-book et suite de saga. Est-ce que tu peux faire un petit équilibre entre les e-books et les livres papier, s'il te plaît? Je lis principalement du thriller, mais sinon je lis un peu de tout. J'ai lu 7 livres en décembre grâce à toi, d'habitude c'est plutôt un par semaine. J'aimerais au moins poursuivre une saga, mais tu n'es pas obligé de me mettre que des suites de saga. J'aime bien lire des one-shots aussi. Merci et bon stream. Alors on va garder ça ouvert, parce que sinon je vais me paumer dans les demandes. C'est très clair, hein, ne t'inquiète pas, souris, c'est juste que... je suis un peu... Il y a beaucoup de choses, quoi. Donc... Équilibre entre e-book, livre papier et suite de saga. Très bien. Alors, eh ben on va ouvrir les trois. Oula, oula. Hop, hop, hop. Ah, je l'ai commencé Ruby, mais je l'ai abandonné. Sorry. De quoi Leïla, toi? Non, il y a deux Leïla. Il y a une autre Leïla au-dessus de toi, nounouille. Vous êtes plusieurs à avoir des pseudos qui se ressemblent d'habitude, hein? Alors, la moitié d'e-book, la moitié de livre papier et les sagas, c'est aussi en e-book. Et aussi livre papier. Très bien, donc ça sera à part. Bah, à la limite, je vais peut-être mettre. On va commencer. Alors, en case 1, la maison au milieu de la mer céruléenne. Attends, je vais aller chercher. Ah, t'avais quand même pas mal de choses, hein. Étonnant, hein, Titi, on est d'accord, hein. On va tous l'avoir. Mais c'est parce que vous avez des bons goûts, ça. Hop.
Ça, je note. Ok. Avec la maison, on part sur une voisine encombrante. Déjà un thriller. C'est vrai, Vic. C'est un peu le livre élu du jour. Encase 3, Caraval, tome 2. Avec Inheritance Game, tome 4. Donc là, il y a plus d'e-books. Il faut des livres papier pour contrebalancer. Mes modos sont complètement allumés. Voilà, c'est... Non mais trop tard, j'ai eu le temps de lire. Hein. Encase 3. On part sur... On va repartir sur un petit thriller peut-être, parce que la 2 du coup c'est de la fantasy. La forêt des ombres, encase 3. Avec petits crimes conjugaux, au pluriel, petits crimes. Et si par exemple on a envie de créer un compte mais aucun livre nous intéresse, tu en donnes toi ou faut obligatoirement avoir une liste de livres qui nous intéressent? Alors Rimusha, là techniquement c'est des livres que vous avez vous chez vous et que vous n'avez pas encore lus. Si tu veux des idées de livres qui t'intéressent, je fais des vidéos qui s'appellent Update Lecture où je parle de mes dernières lectures. J'en ai fait plein depuis le début de ma chaîne. Je suis persuadée que tu trouveras des titres qui t'intéressent à l'intérieur. Il n'y a pas que moi, il y a plein de personnes qui font ça sur Internet de manière générale. Ça t'aide bien. Ça t'aide bien en général à avoir l'inspi, tu vois. Et en case 4, donc là on a du thriller, ça c'est pas mal. Deux thrillers, c'est bien, mais comme c'est quand même ce qu'elle lit principalement. En case 4, le cercle. Avec. Et bah, la Diagonale des Reines de Verbeer. Ah non, quoique ça fait peut-être un peu beaucoup de trucs différents. Les Hirondelles de Kaboul, tiens. Il y en a parfois, Ruby. Bah d'ailleurs, ma libraire à qui je parle beaucoup, elle vient en stream souvent. Enfin, souvent. Elle aime bien les Read With Me. Ça me fait trop rire. Elle est trop mims. Du coup, on est pas mal, hein? T'as du thriller. Je t'ai varié les trucs. Je pense qu'on est good. Souris. Je te souhaite une belle lecture. Jira-chan, coucou Thibaut, il me reste deux devoirs et je te laisse un petit mot sur mon profil. Allons-y. Hop. Mais ce date, ça ruine surtout. Oh, c'est un effet secondaire appréciable. Coucou Thibaut, il me reste deux devoirs. Just Wanna Be Your Brother et un roman de Noël, promis, je le lis vite. Tu peux mettre deux romans par case et autant de mangas que tu veux, je t'ai fait une petite liste. J'essaie de faire baisser ma palme, mais c'est long. Ah bah, y'a bah, ça. 638! Oh! À chaque fois, Jira-chan, le nombre de ta palme me fait paniquer. Bonne idée, Shin, bonne idée. J'ai pas assez de Pouka pour faire la demande aujourd'hui. T'as follow, petit bélier? Si tu follow si tu follow mon stream, tu gagnes 300 Pouka. Ça peut peut-être t'aider. Morimusa, ça t'es trop chou. Eh, Vic, je comprends. Alors. Waouh, il y a plein de choses. Jira-chan, t'es là ou pas? J'ai oublié ce qu'elle a dit en petit mot sur son profil. C'est ça de... Deux romans par case et autant de mangas. Ok, c'est ça que j'avais en doute.
Oh, trop mignon. Bah, Utopia l'a pris pour toi, Tibélier. Ah oui, mais attends, il y avait tout un truc particulier. Parce que c'est pour sa fille. Donc, à la limite, Tibélier, écris le message. On va te rendre tes poucas, Utopia. Hop, je te les rends à l'instant. Tibélier, écris ton message et Utopia va le faire pour toi. Oh, Ruby, t'es trop mignonne. Alors, pour Jirachan, en case 1, Light Lark tome 1 avec Hunger Games tome 3. Jirachan, t'en es où dans la... Ah bah voilà. Pff. Elle a deviné. Elle a deviné. Utopia, t'es un amour, merci. Merci pour le follow, Spirale Livresque, c'est adorable. Ah, Shirayu quand même, hein, pourtant. Elle anticipe la question. Oui, elle sait, à force. Eh ben, en case 3, Crescent City tome 1. Avec, avant Crescent City, Merci Thompson tome 12. C'est vrai que le temps passe vite, hein. Oui, il faut lire à Cotard avant Crescent City. Oui. Dans la case 2, c'est Plaisir Violent, tome 1. Et avant, Rebelle University, tome 2. Qu'est-ce que tu comprends pas, Augustin? Exactement. Parce qu'il y a des trucs qui spoilent dans Crescent City, tome 2. On va dire ça comme ça. Ah oui, je suis pareil, Ruby. J'ai beaucoup de mal, mais ça vaut la peine de continuer pour la fin du tome 2. Ok, on est bon. Ah oui, il y a carrément le détail de Rebel University tome 2 for Prince Suking. Oh, carrément. Et en case 4, Serpent and Dove tome 2. Et juste avant, Nos âmes tourmentées. Porte au haut, tu peux lire quand tu veux. Et on est bon. On va ajouter en case 1. A Sign of Affection, tome 8. Avec Yona, tome 40. Dans la case 2, My Happy Marriage, tome 4. Avec Le Secret de l'Ange, tome 2. Mais oui, Augustin, fonce. N'hésite pas, plus tu poses toutes tes questions, il n'y a pas de souci. Dans la case 3, Inuyasha, tome 16 et 17. Ça plairait à Alice. Et dans la case 4, One Piece, tome 22-23. Jirachan, est-ce que tu veux plus de manga ou est-ce que je m'arrête là? Parce que je peux t'en rajouter deux par case. Salut Gigi! Comment tu vas ma fille? Plus de manga, je m'en doutais un peu. D'où ma demande. On va ajouter en case 1. We are always tome 9 à 11. Ah, on termine la saga, il en reste 3. Ça va. Dans la case 2, We must never fall in love, tome 7 à 9. Pareil, on termine la saga. Dans la case 3, Bleach, tome 52 et 53. Et dans la case 4, Le Secret de l'Ange, tome 3 et 4.
Comme ça, tu termines aussi une saga. Et quand tu auras lu tout ça, tu auras plusieurs sagas de bouclées. Et ça, c'est beau. C'est même très beau. Et on va ajouter dans la case 3 Moriarty tome 12. Et dans la case 4, The Ancient Magus Bride tome 17. Comme ça, il y a le même nombre de mangas partout. Case 3 Moriarty tome 12. Case 4 The Ancient Magus Bride tome 17. Qui c'est qui note? Vic, ah bah, elle est contente. Vic, tu es tellement rapide! Bravo, Jirachan, c'est good! Cindy Stitch! Alors attends, Mello, coucou Thibaut, tout le monde, je profite du live de voir pour te remercier. Je profite du live de voir pour juste te remercier de Thibaut car j'ai découvert de nouvelles lectures vers lesquelles je me serais peut-être jamais tournée de moi-même dans ma wishlist. J'ai les mémoires de la forêt et la saga de Anne, je vous les procurerai prochainement. Ici, j'attends pour les examens de mon petit chien. Moi, trop mignonne, Mello Stay! Cindy Stitch! Il me reste deux devoirs, dont un cours. Ah bah, c'est parfait. Hop. Oh merde, Samo! C'est pas très pro, ça. Hein. Oh non, Suzy! Faut peut-être continuer un peu? Merci, Chiki, pour ton sub! Merci beaucoup! Ah oui, Emma, c'est vrai que ça fait pas un mois que t'as fait ta demande, toi. Oui, mais je t'ai dit que tu pouvais. C'est moi qui ai dit qu'il pouvait. Hop. Super. Du coup, c'est good pour la demande de Tibélier. Utopia, si tu peux copier-coller son message. Ou a-t-elle d'ailleurs, hein, vu qu'elle disait qu'elle avait 600 000 machins. Ah bah voilà, Utopia, plus rapide que le vent. Parfait. Parfait. Il n'y a pas de liste. C'est rapide, c'est efficace. On aime. Emma. Appelez-moi Lucky Luke. Ah bah. Qui tire plus vite que son ombre. Vous êtes le seul cas où un mec s'en vante. Pardon. En case 1, quand on prit la bonne étoile. Non, Utopia est pas une modo. Oh, c'était subtil ça. C'était subtil. Dans la case 2, le premier qui meurt à la fin. Oui, c'est ça, what what. En case 3, si, non. En case 3, les 99 boyfriends de mes rêves. C'est encore pire que Alice et Watelier donc. Tu peux l'enlever, Vic, y a pas besoin, parce que c'est dans la demande d'Utopia, elle l'a écrit. Mais c'est gentil d'avoir noté. Et dans la case 4, Simon Snow, tome 1, Kerion. Ah oh bah, il y en a plein, Fanny. On ajoute. Attends, j'ai peut-être été un peu vite. Lisuna, tu l'as? On ajoute dans la case 1 Heartstopper tome 5. Eh, c'est moi qui l'ai dit, Alice, hein. D'abord, c'est moi qui ai dit à voix haute que c'était toi et Wattel, hein. Alors, d'abord, Nounou te connaît bien, mais c'est moi qui ai dit, hein. Donc, ça veut dire que je te connais bien aussi, hein, parce que voilà, c'est juste, il n'y a pas que Nounou qui a dit, à moi aussi, j'ai dit d'abord, et puis voilà, donc. Oh, Chiki! Ça veut dire qu'il faut que tu le lises. Salut Cindy! Ah bah c'est juste quand c'est toi. Dans la case 2, princesse hashtag sans filtre. Oh mais t'inquiète, il y en a plein quand même. Dans la case 3, Miraculous Ladybug et Chat Noir, tome 2. On va juste mettre Miraculous tome 2. Miali, c'est vrai, j'ai qu'une main, mais patoune, patoune. J'ai perdu Lisandre. Miraculous tome 2 dans la case 3. Et dans la case 4, Lilo et Stitch, aventure à Hawaï. Aventure à Hawaï.
Et ma foi, je pense qu'on est très bien. J'ai bien envie de t'ajouter celui-là. En case 1, je mets Disney, le guide visuel ultime. Tu lis, tu sais, petit à petit. Tu lis en même temps que tes autres lectures, une page par-ci par-là. Ah, oh, c'est beau, Neuneu. Qu'est-ce que t'arrives pas, Leslie? C'est le petit cœur Baymax sous le chat. Et on est good! Shirayu Miki, je reviens pour des devoirs. Tu as carte blanche, alors fais-toi plaisir. Si tu vois des doublons, c'est normal, j'ai opté pour une nouvelle technique. Mon pseudo, c'est toujours Shirayu Miki. Une nouvelle technique. C'est-à-dire une nouvelle technique. Courage, Overcooked! Toi, tu me donnes envie d'œuf. Non, cette petite boubouille. Hop. Dracula, Dracula. Frankenstein, l'assassin royal, l'empire du vampire. C'est quoi ta nouvelle technique? Shirayu, tu m'intrigues. C'est pour être sûr que je te mette Dracula ou? Je comprends pas. Ah, il y a e-book et il y a audio-livre. T'avais quoi avant, poupette, toi? Merci pour le follow, Emelent. Ah oui, t'avais que la trilogie d'Aeva Bad, ah oui. On change de duo, on change de duo, bravo les modos! Bravo Gontran, bravo Vic! Sois la bienvenue, Mélène. Hop. Alors. En case 1. Le grand maître de la cultivation démoniaque, tome 2. En case 2, Frankenstein. Ah oui, du coup, est-ce que mes nouveaux modos... Wattel et Titi? Wattel et Titi sont demandés à l'accueil. Je répète, Wattel et Titi. Ah, c'est bon, ils sont là. C'est qui? C'est Wattwatt. C'est Wattwatt! En case 3. Je veux pas mettre un truc trop gros. L'Empire du Vampire, tome 1. Et en case 4. On va partir sur un plus petit quand même. Monstre, tome 1. Je t'ajoute. Où est-ce que je le mets le petit manga? Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, tome 3. Avec la case 1. Oui, Sophie, t'as vu? Je suis cohérente. Je peux pas être triste de pas avoir les salauds vu qu'il y a l'Empire du Vampire. Ouais. Mais oui, je sais. Mais c'est parce que je disais, fallait pas que je mette que des trucs trop gros, c'est pour ça. Mais il fallait quand même un gros gros. Et on est good! Oui, Shirayu. On arrive à Emma maintenant. Coucou, vu l'heure, je pensais passer que la semaine pro, mais go, continue à lire des références pour la librairie. Pseudo Emma Bookin. Emma qui en fait est passée il y a 3 semaines, normalement devrait attendre une semaine de plus, mais je vais donner une dérogation. Je peux vous faire passer plus tôt si jamais vous le voulez. Il faut le demander quoi par contre. Ou alors vous faites une demande, vous précisez et vous passerez à la fin si j'ai le temps. De manière générale. Là c'est juste que je sais que je vais finir. Y a pas un gros suspense. Orgueil et préjugés? Oh, je dirais printemps, si vraiment faut trouver une saison, printemps-été, parce qu'il y a de la romance, des petites robes, machin. Mais tu peux le lire un peu tout le temps en vrai. Hein. C'est pas. C'est clair, Chiki. Alors, Emma, qui est en train de me lire The Prison Evil. J'ai une liste ou pas? Hein? Normalement, elle fait des listes. Liste Thibou. Oui, Thibou, c'est une liste pour toi. Oui! Mais il y en a 54 quand même. Waouh, il y a déjà ça. Je vais essayer d'ouvrir les onglets, ok? On va voir si Livre Addict m'envoie chier, mais. Erectus, tome 2. Bah oui, le retour du titre chelou, effectivement. Ça pourrait être pas mal. Ça, faudrait avancer. Mmh.
Ah, tu disais que tu voulais lire Phobos, non? Mais ça a l'air très bien, Leslie, ta demande est très claire, Choupette. Là, il y a de la BD. Alors, lui, du coup, il est pas encore sorti. Mais il faut que je lui mette Crescent City tome 3 en avance. Au cas où ça arrive le 8 février. Ok, il y a beaucoup de clowns là. Alors, lui, il va attendre. Lui, il va attendre. Putain, le 8 février. Les sorties de février, les gars, mon portefeuille va tellement pas suivre. Je vais pas pouvoir tout me payer, c'est pas possible, hein. Déjà, j'ai lui. J'ai lui. J'ai lui. Et la nouvelle saga de Lucie Maud Montgomery, là. Déjà, là, je peux pas. Je peux pas sortir les 4. Donc. Et ça compte même pas le reste, hein. Là, c'est vraiment les titres qui sont. Février, on va crever. Ah ouais, c'est. Ça va être une catastrophe. Alors. J'ai envie de te faire lire celui-là pour boucler Anne avant la sortie de la nouvelle saga. Il y a l'Empire du Vampire 2. Ouais, mais lui, il sort vraiment le 27 février, tu vois. Donc, ça comptera dans les achats de mars. Tu vois? C'est vrai que janvier, je me suis pas acheté de livre. Janvier, j'ai pas acheté un seul titre. Donc, en vrai, peut-être que je pourrais abuser et m'en acheter un peu plus en février. Donc, lui, en case 1. Ça serait pas mal. Il sort quand Kelliana déjà? Attends, je l'ai foutu où? Crescent City? Ah, il sort là, là, dans 9 jours. Ok, alors, en case 1, avec les chroniques d'Avonlea, Kelliana, tome 5. Ce qui m'emmerde, c'est que j'aurais vraiment kiffé boucler Kelliana avant Crescent City. Hein. Ouais. Je pense que ça serait mieux. Ni en décembre. Non, c'est vrai que. Alors, en décembre, je me suis rien acheté. Mais mon budget est quand même parti pour les cadeaux. Donc. Les Voiselles de Nuit sort le 25 janvier, pas en février. Ouais, mais c'est pareil, 25 janvier, ça compte pour les achats de février, tu vois, si j'achète début du mois. Genre, si quand je vais aller m'acheter Crescent City, je vais m'acheter les Voiselles de Nuit en même temps, tu vois. Comme tu disais, 60 euros par mois pour les livres, du coup en février t'as le double. Oui, si on voit comme ça, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Salut Islam! Courage, courage, courage pour tes cartons. Moi j'achète fin de mois. Tu résisterais de pas lire Crescent City? Non, Crescent City, je pense que je vais le lire direct. Clairement. Comment vous faites pour vous acheter des nouveaux livres avec une palle de 100 bouquins? Ma conscience peut pas. Au moins ma conscience, elle peut. Je limite, mais ma conscience, elle peut. Sans trop de problèmes, c'est pas. Alors, en case 3, je te mets Crescent City, tome 3. Mais. Attends, je vais le mettre en wish tout de suite. Hein. Ah non, on va le mettre en wish en relié, pardon. Pardon, hop. Bien entendu, dès qu'il sort, tu sautes dessus, tu le mets où tu veux. Hein. Non, les bêtises. Attends, c'est quoi que tu disais qui date d'il y a 12 ans? Attends, là, je remonte. Les bêtises datent de bien plus que ça. Hein. À la base, les bêtises, c'est une chanson qui date. Ma mère était ado, tu vois, fin d'ado, tu vois. C'est une reprise qui a été faite il y a 12 ans. Il faut un clown. Il faut un clown. Il y a le clan Bennett tome 4, ça serait bien que tu le boucles. Il y a les extraordinaires tome 2, mais de toute façon, c'est pas une fin de saga. Lui, il t'a dit qu'il te bottait, donc je vais te le mettre. Et il y a le nouveau qui va sortir. Le nouveau, je pense, je vais te faire attendre. Tu l'as lu quand, le tome 3 du clan Bennett, Chou? Après, il y a les médiathèques aussi pour les livres. Hein. Le dragon, je l'ai lu, pardon, j'ai oublié de retirer. Le dragon. Lequel? C'est quoi le dragon? C'est quoi les dragons? Ah ça?
Mais j'ai déjà commencé, Shani, mais tu peux le prendre maintenant aussi, hein. Ah, ok, super. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que t'avais marqué que tu le voulais vraiment lire. C'est pour ça que je l'ai pris en priorité, tu vois, mais. Et du coup. Ah, tu l'as lu dans la semaine, Crescent City, Clan Bennett. Ah, bah oui, j'ai vu ton retour sur le serveur. Donc, pas lui tout de suite, ça serait trop tôt. Donc, en case 2, Les Extraordinaires, tome 2. Avec. Erectus, tome 2. Ça m'emballe pas, mais le nom est drôle. Oh, je suis au tout début. Tu peux voir sur mon livre addict, Chani. T'as mon nombre de pages dans mes lectures en cours. Ah, ou alors. Est-ce que tu peux mettre Erectus tome 2 avec Crescent City tome 3? Je pense qu'en plus, ce sera pas déconnant comme rapprochement. Et avant les extraordinaires, Nevernight tome 2. Donc t'as deux Sarah J. Maas, mais bon, on va dire que c'est un cas particulier. Et en case 4, Les Oiselles de Nuit, tome 1. J'ai pas acheté celui qui m'intéressait aussi en janvier. Celui avec le cerf, là. Lui. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. Est-ce que je vais retomber dessus? Je ne sais pas. Bah si, normalement. Celui avec le cerf sur la couve. C'était pas ça? God Killer. Ouais. C'est peut-être pas un de Saxus, mais il me semblait. Oui, je sais, Alice. Je sais, je sais. Et avec les oiselles de nuit... Eh ben, je vais te mettre Phobos tome 1. Du coup, je sais pas. Je sais pas quand j'irai en librairie. Peut-être j'irai plusieurs fois. Pour être tentée. C'est la préhistoire, les Homo erectus, Yota. Homo sapiens, etc., tu sais? Homo habilis. Toutes ces petites choses. Je vais quand même te mettre des petits bonus parce que sinon ce ne serait pas moi. C'est vraiment des petits, hein. En case 1, je t'ajoute à contre-courant. Quoique non, il fait pas assez beau. Je te mets Hunger Games tome 1 plutôt. En case 2, Vampiria Inquisition tome 1, avec les carnets de cerises tome 1. Ah bah t'as quand même des gros trucs après, hein, mais... En case 3, Le Monde de Milo, tome 1, avec Frntk, tome 1. Frntk. Frntk. Et en case 4, Lotter Flamme, tome 1. Je regarde s'il y a un petit truc qui pop tout seul pour tenir compagnie. Petit jeunesse. Ouais, je t'ai déjà mis les petits en vrai, hein. Je t'ai déjà mis les petits, hein. Oh, bah, tu sais quoi? Dans la case 4 avec Lotter Flamme, je te mets à contre-courant. Il fera plus chaud d'ici là. Banana Split, Leïla, peut-être. C'est drôle parce que quand on te demande des milliers de pages, t'as des scrupules. Par contre, quand c'est pas demandé, là, tu fonces. C'est vrai. Bah là, j'ai été raisonnable, là. J'en ai pas mis trop. Regarde, c'est même Emma qui dit, oh, pour une fois, je suis pas une élue. Pour une... Ouais. Ça va. C'est vous qui râlez tout le temps, peut-être. Peut-être. Black Dahlia! Hello, je viens de reprendre les devoirs pour le mois de février à venir. Il m'en reste deux en cours de lecture qui seront finis cette semaine. Pseudo livre addict, Black Dahlia. Hop là. Avec plaisir! Et tant mieux, Leïla, si j'ai pu t'aider. Emma, tu vas nous boucler ça en moins d'un mois. Ah, quoique, avec Crescent City, ça va peut-être t'occuper un coup quand même, hein.
Hello Thibaut, hello les choups, hello les modos, je viens reprendre des devoirs pour le mois de février à venir. Il me reste deux lectures en cours que je termine aujourd'hui ou en début de semaine. Pour les romans, c'est dans la palle. Si tu peux mettre le Calendar Girl de février et le Royaume Céleste tome 1. Aussi, j'essaie de finir mes sagas en cours. Pour les mangas BD, tu peux bourriner en partant sur 3 par case. Il y a une liste pour eux. Voilà, voilà, j'essaierai d'être sur le live. Des bisous à tous. Ok, donc il y a une liste pour les mangas et la palle pour les autres. Ok. Alors, en case 1... Non, en case 2, Calendar Girl, tome 2. Et en case 1, le Royaume Céleste, tome 1. Ah oui, Emma, effectivement. Avec Calendar Girl, donc dans la case 2, à la croisée des mondes, tome 2. Et dans la case 1 avec le Royaume Céleste, les colombes du Roi Soleil, tome 9. On avance les sagas. Hein. Bisous Lisounet! Comment va-t-on survivre sans ta présence si chaleureuse? Je ne sais. Je dépéris déjà. Regarde tous ces nouveaux élèves qui arrivent là! Dou 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 dou. Dans la case 3, Maudite avec un S, tome 3. Et Miss Pérégrine et les enfants particuliers, tome 4. J'aimais beaucoup les Colombes du Roi Soleil aussi. J'avais lu les deux premiers tomes quand j'étais ado, je crois. C'était super cool. Des élèves de partout, oui. Sur le nez, dans le cou. Tu t'en sors ou pas, Wet Wet? Pardon, j'ai peut-être été un peu rapide. Non, c'est bon. Et en case 4, Trilogie des Gemmes, tome 3. J'aime les cailloux, hein. G-E-2-M-E-S. Avec Percy Jackson, tome 5. Trilogie des Gemmes, tome 3. Avec Percy Jackson, tome 5. Donc, on est bon pour les romans. Et les mangas et BD. Il y a de quoi faire. Dans la case 1, les naufragés d'Ithac, tome 15 et 16. Ithac, Y-T-H-A-Q. Pourquoi Lyra? Je comprends pas. Tu conseilles de lire les classiques en une seule fois intégrale ou séparés en plusieurs tomes comme les nouvelles éditions? Ça dépend ce que c'est. À quoi tu penses, Suzy? Je pense que si c'est séparé en plusieurs tomes, c'est pas plus mal. Mais ça dépend, des fois ils abusent. En fait, des fois ils divisent trop pour gagner plus de pognon, en fait. Faut voir... parce que t'as des éditions qui font tout en un coup. Ça dépend. À quoi tu penses, Suzy? Ça dépend des trucs. Il reste 10 demandes. Autant n'importe le vent est soit en intégrale, soit en plusieurs tomes, par exemple. Ah, mais je l'ai jamais lu. Je crois qu'il peut... En deux, c'est pas déconnant. Parce que t'as vraiment un entracte, on va dire, au milieu, tu vois. Grave et mort. Bah, c'est très bien, Lyra. Les Misérables, moi, je l'avais divisé en 3. Mais en 2, c'est mieux, parce que le troisième était minuscule. Et le Comte de Monte Cristo, mon édition était divisée en 2 aussi. Mais c'était deux gros pavés, hein, en poche. Dans la case 2, La fille des enfers, tome 3 et 4. Autant en emporte le vent, tu l'as en 2. Ça m'étonne pas. Dans la case 3, Machel, tome 1 et 2. Et dans la case 4, Rave, tome 19 et 20. Je déteste les classiques en un tome. Bah ça dépend, il y en a qui sont petits. Genre Pauline de Dumas, il fait 200 pages, tu vas pas le diviser en deux quoi. Mais oui, quand c'est énorme, c'est pas encourageant. On va ajouter dans la case 3, Les Naufragés d'Ithac, tome 17. Parce qu'on va pas le laisser tout seul. Et on va faire un deuxième round, vu qu'elle m'a dit que je pouvais mettre beaucoup. Dans la case 1, Dead Tube, tome 1. Avec The Promised Neverland, tome 1. Il y a des mangas moins de 18 dans cette série. Dans quelle série? Ouais, bah ouais, Callisto, t'imagines.
Non, puis t'en as, ils abusent, c'est juste pour vendre plus cher, tu vois. Enfin, plus de trucs. J'ai des enfers. Donc, dans la case 2, on va ajouter Attache-moi, tome 2 et 3. Ça ne s'invente pas, hein. Ça va et toi, Dwenvara? Dwenvara. Dans la case 3, Demon Slayer, tome 2 et 3. Ah, mais Suzy, t'inquiète, elle a fait sa propre pile à lire, hein. Si elle l'a mis, c'est qu'elle va le lire. De toute façon, c'est qu'elle l'a chez elle, hein. Et dans la case 4, Welcome to Animal Crossing, tome 1. Avec Villain to Kill Me, tome 1. Et on est bon pour Black Dahlia. I want you, you want me, Danny, I love you. Artemis Yuki, et on passe sous les 10 demandes, oui. Tu cherches quoi, Shirayu? Plutôt une biographie, plutôt un roman historique? Sur quelle période? Qu'est-ce qui t'intéresse? Faut voir ce qui t'intéresse en fait. Artemis, coucou Thibou, les modos et les choupes. Comment allez-vous? Je reviens après 2 mois, j'ai cru un instant que je ne finirais pas ces devoirs. Bonne nouvelle, il ne m'en reste qu'un qui sera mis en lecture en cours. Tu as le droit de bourriner comme la dernière fois. Bon courage. Mon pseudo livre addict, c'est Artemis Yuki. J'avais bourriné? Moi? Moi? Mi? Mi. Ah oui! Ah oui! Ah oui, quand même! Ah, mais je t'ai pas bourriné! Je t'ai fait une. Je t'ai enseveli, en fait. D'accord. Non, mais écoute. Ok. Ah, j'ai reçu un MP. Aria, tu m'as envoyé un message. Je verrai ça après le stream. Hein. Au cas où. Tu l'as fait une bibliothèque. T'inquiète pas, Suzy, c'est très mignon. C'est très mignon. Oula, j'ai perdu Artemis. Non, Artemis, reviens! Coucou la Queen Tibou, les modos sentients et les choupes de cœur, comment allez-vous? Moi je vais bien, je reviens après 2 mois, il a fallu du temps pour finir les devoirs. Il me reste un livre, L'héritage de l'esprit roi, j'ai eu une bonne surprise pour Guild, et oui, un jour je continuerai la saga. On va essayer de descendre la pale de l'espace. Tu peux bourriner les cases, je te laisse carte blanche, j'ai un rythme normal de lecture. Tu trouveras la liste pale pour Tibou, comme ça tu évites d'affronter ma malle, montagne à lire. Je te souhaite bon courage pour la suite de ce stream, et à vous aussi les modos, je ne vous oublie pas. Bisous à Artemis. Mais elle est trop mignonne. Vous êtes des amours, vous savez que vous êtes des amours. Vous êtes vraiment des petits amours. Hein. Trop chouquille. Hein. C'était une élue prestige. Bah, en même temps, elle l'a lu en 2 mois. Hein. 5 km. Ah oui, Gaïa, t'es une héroïne un peu. Hein. Tu peux être très fière. Fini de transpirer avec nous. Hein. Ok, donc là, tu vas être contente. Ok. Trop mignon. Ok, alors, en case 1, Frost et Nectar, tome 1. Je vais essayer de te mettre une pale plus raisonnable quand même, Artemis, parce que la dernière fois, j'étais vraiment bourrinée, hein. Mais oui, vous êtes des sucres, Sophie. Pourquoi je vous aime autant, à ton avis? Je sais plus si je l'ai dit à voix haute. Dans ma case 1 toujours, Ella et les 4 royaumes. Mon roman! Dans la case 2. Le clan Bennett, tome 4. Avec Lights Out, tome 1. Bon app, Lyra. Oh, quelle rapidité! Ah bah oui, c'est Titi qui note. Titi, il prend Steno. Dans la case 3. Vampire Knight, tome 1. Entre parenthèses, roman. Peut-être préciser, parce que d'habitude, c'est tout le temps un manga. Avec l'Empire du Vampire. C'est la case vampire. Et dans la case 4, sous le sceau de l'hiver,
Avec la passeuse de mots, tome 3, bien sûr. Merci, Dwenvara, t'es adorable. Merci beaucoup. On va quand même ajouter des petits bonus dans la case 1, My Dear Fucking Prince. Enfin, des petits bonus, oui, des petites lectures en plus, quoi. Dans la case 2, Heartstopper tome 3. Et dans la case 4, Heartstopper tome 4. Colleen Hoover, je connais le nom, ouais. Vic, je pense qu'elle est en train de s'emmerder. T'es toujours dessus d'ailleurs, Sissi? Elle a pas kiffé, je comprends en vrai. Oh Gaïa, merci beaucoup! Qui offre 5 subs pour Suzy, Snowinou, Shein, Chachoumou et Cookiette. Oh, c'est adorable! Merci ma belle. Merci beaucoup. Et dans la case 3, on va ajouter Angels of Death, tome 5 et 6. Il me reste 200 pages. Disons que c'est mieux que la partie longue, mais je suis pas convaincue. Oh oui, t'as bien avancé, Sissi! T'as bien avancé. Et on est bon, ma foi. Tome 5 et 6 pour Angels of Death. C'est des mangas, Titi. Et on est good. Yastel, coucou. Ayant fait un retour tout à l'heure, je te redemande des devoirs. Mon pseudo, c'est Yastel. Allons-y. On va bientôt commencer la cohorte de nouveaux élèves. Encore Yastel et Calistouille. Hello les choups, coucou Thibaut, comment allez-vous? J'ai fait une liste pour que tu trouves plus facilement les romans, mais niveau manga, il faudra que tu ailles dans ma palle. Vu que de nouveaux mangas y rentrent chaque jour, presque, c'est sûrement mieux. Ça marche. Combien je t'avais mis la dernière fois, Poupette? Non, je l'ai pas en palle, les aiguilles d'or, Emma, faut que je l'achète. C'est pas une prio en fait, donc je le reporte. Ah, moi, Vic, non, c'est juste que je l'ai trouvé pas ouf. Pour le coup, je l'ai lu au bon moment, à mon avis, mais. T'avais un roman par case et deux mangas la dernière fois, Westel. Yastel, pardon. On va rester, je pense, sur le même schéma. Ça avait l'air de bien te réussir. Ah, t'es en train de lire Crescent. Ok, très bien. Alors, en case 1, Les Extraordinaires, tome 1. Je note. Emma, t'es chou. En case 2, Psyché et Eros. Ah, je comprends, Vic. En case 3, Akotar, tome 4. Et en case 4, Dark Shores, tome 1. J'ai eu des bons retours là-dessus. Et pour les mangas, du coup, faut que j'aille voir dans la palle. Alors attends, je regarde juste. Il n'y a pas spécialement de demande. Oh, très bien. En case 1, Silent Voice, tome 3 et 4. Bravo, Soichi. J'ai pas beaucoup aimé Akotar, tome 4. Ah ouais? Moi, c'est mon préf. Je note. Dans la case 2, Beast and Fist. Fist, F-E-A-S-T. Pas Fist. Hein. Non, mais je précise quand même. Vu que c'est un yaoi, ça aurait pu. Mais non, non, c'est Fist, Fest, First. Je sais pas. Beast and Fist. Et bienvenue chez Ginmo Kusai, tome 2. Oui, bah je précise, Neuneu. Je précise, on sait jamais. Voilà. Et Beast and Fist, c'est un one-shot apparemment. Qui est lui que je retiens. Changeons de page. Eh ben, je vois ce que ça aime bien là-dedans. En case 3. Yona, tome 12 et 13. Et en case 3, 4, pardon. T'en as beaucoup des raves, donc on va partir là-dessus. Rave, tome 1 et 2. Juste un doute.
Ah si, c'est ça, c'était tome 2. Nickel! On est good, Yastel. Calistouille! Thibaut, j'espère pouvoir passer aujourd'hui. Oui! T'avais pas mis ton pseudo. Mais tu as été retrouvé. Avec plaisir, Yastel. Coucou Thibou, j'espère que tu vas bien. Oh, tu lis Visvag? Aujourd'hui, je n'ai malheureusement plus vraiment de temps pour lire. Bac de français en approche. Donc, si tu pouvais me mettre des petites lectures en priorité, ça serait plus pratique pour moi. Merci beaucoup, plein de bisous. PS, la controverse de Valladolid est un livre pour mes cours de philo, donc on va dire qu'il ne compte pas. Ça marche. Petite lecture. Effectivement, oui, je comprends. Ok. On va faire petit. En case 1, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, je vais dire illustrée, mais il n'y a pas besoin de le préciser. En case 2, Blackwater, tome 2. En case 3, Le premier qui meurt à la fin. Et en case 4, Du thé pour les fantômes. Après, peut-être que Callisto y avait fait une autre demande pour préciser. Hein. C'est possible. On ajoute dans la case 1, Colossal, tome 2. Dans la case 2, Jujutsu Kaisen, tome 17 et 18. Dans la case 3, Oliver Twist, tome 1 et 2. En BD, hein, je précise. Oh, je vais te mettre tome 1 et 3. Tome 1 à 3, en fait. Ils sont petits. 48 pages, c'est des petites BD. On n'est pas sur des intégrales. Donc, tome 1 à 3. Et dans la case 4... Bah, Jujutsu Kaisen, tome 19 et 20. Bisous, la limonie. T'es adorable. A bientôt, passe une belle soirée. Et on est bon! Manitil, donc mon pseudo sur Livredict est Manitil, je n'ai pas encore de photo de profil. Et ça rime en plus. Et on arrive à la flambée de nouveaux élèves qui arrivent vers la fin. Plein de nouveaux petits étudiants fébriles. N'est-ce pas beau? Alors n'hésitez pas à m'envoyer des demandes d'amis du coup dès que vous êtes nouveau. Vous voyez, c'est sur ce profil-là. Parce que sinon je peux pas voir vos petits messages sur vos profils. Donc vraiment, faut pas hésiter. Hein. Donc là, je suppose qu'il y a une liste parce que la pile à lire est vide. Ah non, je ne sais pas du coup. Manitil, est-ce que t'es là? Parce que ta pile est vide. Et il n'y a pas de liste pour moi. Donc, je ne sais pas ce que je suis censée faire. Est-ce que t'es là, Manitil? Sinon, je vais devoir te rendre tes poucas. Et... Parce que là, t'as une wishlist qui est remplie. Mais c'est-à-dire que tu ne les as pas chez toi. Donc au pire des cas, je te rends tes poucas jusqu'à ce que tu fasses pour la semaine prochaine. Ou quand t'as le temps, hein. Mais c'est juste que là, malheureusement, je ne peux rien faire. Parce que wishlist, ça veut dire que tu les as pas encore chez toi. Donc, à part si tu t'es trompé et que c'est pas ta pile à lire, mais ta wishlist... Ah, ça m'étonne quand même, il y a toute la saga, donc... Oui, Vic, on peut. Mais moi, ça m'embête de garder la demande affichée. Ça me perturbe. Au pire, si elle revient, bah, elle refera. Et ouais, bah voilà, Negami l'a expliqué. En gros, je remontre un petit peu comment ça marche. Ça peut faire un mémo à tout le monde de manière générale. Alors on va prendre celui-là, par exemple, parce que je l'ai pas. En gros, quand, pour mettre un livre dans une pile à lire, c'est simple, mais il faut le savoir. En gros, si vous faites ça, je souhaite lire ce livre, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas, mais que vous voulez le lire, vous voulez l'acheter. Donc là, actuellement, il n'est pas dans votre bibliothèque. Si vous faites ça, ça va dans votre wishlist.
Si vous faites par contre en plus ajouter à ma bibliothèque, ça veut dire que vous l'avez chez vous, mais que vous ne l'avez pas encore lu, donc il va dans votre pile à lire. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple, mais faut le savoir, hein. Voilà, c'est. Et après, pour faire une liste, c'est ici. Si jamais vous préférez faire des listes pour simplifier les choses, c'est juste là et vous avez, vous créez une liste, vous rajoutez, vous pouvez ajouter des commentaires. Et c'est beaucoup de choups font ça pour simplifier les piles à lire, pour que je choisisse pas des trucs obscurs qui datent d'il y a perpète dans leur pile, tu vois. Ah bah tiens, Calisto, je viens de montrer, tu vois, c'est beau. Donc Manitil, bah du coup je te rends ton tes poucas et n'hésite pas du coup pour la prochaine fois à le faire, il n'y a aucun souci. Hein. Ah, Clara. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le serveur Discord, via El Discord, vous pouvez poser vos questions dessus. Hein. Et on est bon. Enfin, on n'est pas bon du coup, mais. Calius. Ah, mais attends, Calistouille. Ah non, Calistouille, t'es déjà passé toi. Non, c'est bon, tout va bien. C'était pas Calistouille, hein. Non, Calistouille, c'est vient de passer, c'est ça. Du coup, Calius. Ça fait penser à Calius bonus. Coucou Thibou, je viens de demander des devoirs pour la première fois. Tout est mis sur Livradict. PS, il n'y a pas de liste. Et mon pseudo Livradict, c'est Calius. Parfait. Allons-y. Hop là. Coucou Thibaut, coucou les choupes, comment allez-vous? Je demande pour la première fois des devoirs, je n'ai pas un très grand rythme de lecture, donc serait-il possible de mettre uniquement un à deux romans par case? Pour les mangas, je préfère gérer de mon côté, merci, et je ne pense pas que je serai là. Pas de problème. En plus, 25, ça va, c'est gérable. Hein. Est-ce que j'affiche que les mangas? Que les romans? Oui, on va peut-être faire ça. Filtrer par roman. Ça évite que j'ai des mangas. Comme ça, j'ai tout d'un coup. Caius Pupus. Eliana, faudrait que je refasse, oui. Je comprends, Chiki. Oh, je suis en train de le lire. Il est très cool en plus. Oh, oui, très sympa aussi ça. Ok, alors ce qui est cool, la bonne nouvelle, Caius, c'est que les romans que tu as, à part Nevernight qui est un gros pavé, et celui-là qui doit être assez lent, t'en as quand même beaucoup qui sont très fluides. Enfin beaucoup, en vrai il n'y en a pas tant, mais il y en a quand même pas mal. Donc en case 1, je vais t'en mettre 2, mais très simple, enfin très simple, très court et jeunesse et cool. Mémoire de la forêt, tome 1, avec le château solitaire dans le miroir. Ah ouais, Vic, je l'ai pas encore lu, moi. Herklaus, ouais, il est cool. C'est pas le plus fluide du monde, mais il est cool. En case 2, Seasons, tome 1. J'ai bien envie d'en mettre deux par case quand même quand ils sont dans ces cas-là, parce qu'ils sont pas. Nevernight, ça passe tout seul. Ah ouais? Je vais y réfléchir, voir ce qui me botte en tentant un truc au hasard sur l'époque du Roi Soleil. Bah t'as les colons du Roi Soleil en jeunesse qui est très cool. Mais c'est inspiré historique, tu vois, c'est pas réel. Sinon, sur le Roi Soleil, t'as les trois toute la saga des trois mousquetaires qui est hyper cool. Alors, les trois mousquetaires, c'est sur Louis XV, mais après, c'est sur Louis XIV. C'est très sympa. Dans la case 3, Nevernight, tome 1. Tout seul, parce qu'apparemment il est fluide. Et en case 4, la nuit où les étoiles se sont éteintes. Avec. Hadès et Perséphone. Comment ça, Emma? Tu parles bien de classique, hein, Shirayu, c'était ça? De toute façon, je te l'ai mis tout seul, Nevernight. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et avec Seasons tome 1, je te mets 6 mois par an. Non, Tarot tome 1. Non, 6 mois par an. Non, 6 mois par an. Ça change, ça met un peu de contemporain, c'est bien. C'est excellent, mais très dense. Bon, de toute façon, je l'ai mis tout seul. Donc en soi, ça devrait pas être. Ça va se lire tout seul. Ça, normalement, ça devrait pas être compliqué. Enfin, compliqué. Tu sais, genre, qui te bloque. Celui-ci, au pire, comme il est tout seul, ça va être un peu plus motivant.
Et ça, normalement, ça se bouffe tout seul aussi. Même si j'ai pas lu Hadès et Perséphone, mais... On est bon, Calius. Clara, c'est la première fois que je demande un devoir lecture. Ce serait pour 2 livres dans ma palle. Mon pseudo, c'est Rémus X Lupin. Merci, merci d'avance. Alors, est-ce que ça t'embête si je t'en mets 4? Un livre par case minimum. J'avoue que je préfère parce que 2, ça fait pas beaucoup. Non, elle a dit qu'elle voulait pas de manga, Wattwatt. Nelanda, t'as beaucoup de notes de bas de page, mais des fois des pavés, hein, où t'as beaucoup de lore. C'est hyper intéressant, mais ça coupe un peu le fil de l'histoire, je trouve. Donc moi, j'ai préféré lire sans les notes et relire toutes les notes après. Ok. Bah t'as ça aussi dans Babel. T'as pas mal de notes, et moi, j'ai adoré. Mais, hop. Ça me va, t'inquiète. Ah, tu me rassures, Clara. Coucou, Thibou et les choup-choup, comment tu vas? C'est mon premier devoir de lecture, ça fait un long moment que j'hésite à me lancer, et aujourd'hui, je me lance enfin, faites sortir les trompettes. Oui. Je viens de finir un livre pour les cours lorsque j'étais une œuvre d'art. Ce livre était, comment dire, étrange, même s'il a un très beau message. Maintenant, j'aimerais passer à des lectures qui correspondent un peu plus à mon style, donc à la fantasy et à la romance. Tu peux donc choisir 2-3 livres, vas-y au feeling. Si tu veux en mettre plus pour me challenger, tu peux. Merci, merci et courage à ton petit bidou. Mais t'es en amour! Tu es en amour, Clara. Alors n'hésite pas encore une fois, c'est pas grave si tu prends plus d'un mois pour les lire. Hein. Donc il n'y a aucune compétition. Ok. Ok. En case 1, Cendrillon est morte. Pourquoi j'avais enlevé quoi, Wattwatt? On n'a pas de son de trompette. Non, j'ai le violon. Mais j'ai pas de trompette. En case 2, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Bah, c'est ça, Vic. En case 3, Harry Potter, tome 1. Et en case 4, Sorcery of Thorns. Ah, oui, Wattwatt, ok, je comprends. Et c'est parfait. Donc là, alors celui-là, je l'ai pas lu, mais j'ai vu des bons retours. Apparemment, il est très fluide. Celui-là, on est sur du contemporain, pareil, hyper cool. Harry Potter... Pas besoin d'en parler. Sorcery of Thorns. Je t'ai fini par celui-là parce que c'est celui qui est un peu, je pense, le mieux écrit dans tout ça. En tout cas, le plus recherché. Mais il est très cool. Donc je pense qu'il est... C'est un peu la récompense pour avoir lu les 3 avant. Normalement, tu devrais passer des bons moments partout. Hein. Et c'est good pour Clara. Caragloun. Coucou Thibaut, mon pseudo livre addict, c'est Caragloun. Bah, c'est le même, c'est parfait. Hop, hop. Il est Anna. Et il n'y a pas de manga. Donc on est good. De toute façon, elle m'a demandé 2 titres, donc. Je t'en ai mis un peu plus, du coup. Hein, mais un par case. J'aime pas quand il y a une case qui est vide. Ça me fait de la peine. La pauvre. Après, elle va se sentir inférieure aux autres, c'est triste. Coucou Thibou, coucou les choups. C'est la première fois que je demande des devoirs. J'ai vraiment besoin de me motiver dans ton, live tombe à pic. Tu trouveras les livres que je souhaite lire dans ma palle. J'ai juste une demande. Est-ce que tu pourrais me mettre Si c'est un homme de Primo Levi parce que je dois lire pour les cours? Merci beaucoup. PS, mon pseudo se prononce Cara. C'est de l'irlandais et ça veut dire ami. C'est trop mignon. Ben, je disais Cara, mais Cara Gloom, du coup, parce qu'elle a la suite. Du coup, case 1, si c'est un homme. Tu le lis quand tu veux, bien sûr. Je te le mets en case 1, comme c'est pour les cours. Comme ça, on le case, on l'oublie pas. Oh est-ce que t'es là, Cara? Comme c'était premier devoir... Oula, il y a un truc sympathique là-dedans. Oh! Avant, si c'est un homme, mets-moi s'il te plaît la maison au milieu de la mer céruléenne. Ma fille saute de partout en attendant son tour. Merci à tous de m'avoir permis de lui faire sa demande. Non, mais avec plaisir, petit bélier. Petite Michette. Elle passe bientôt, c'est la prochaine là. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Hop. Dans la case 2. Oh, Lorenzaccio. Oh. Oh mon dieu. Aria, ah, d'où le pseudo livre addict, je comprends. C'est un joli prénom, comme dans Game of Thrones. Elle m'a pas fait de demande particulière. Cara, tu es là? Je crois qu'elle est partie. Hein. On va partir sur 2 par case, hein, je pense. Ah, le problème, c'est faut doser. En case 2,
Alice au pays des merveilles avec La Faucheuse, tome 1. Je vais mettre un petit classique avec un pas classique. Je vais doser. Encase 3. Ah, j'hésite. La nuit des temps avec La passeuse de mots, tome 2. Non, enlève La passeuse de mots, tome 2. À la place, mets Babel. Oh, mais non, Michael Quinn, t'inquiète pas. Pourquoi tu serais ban, enfin? Et dans la case 4. Alors, t'as déjà eu un livre sur la guerre. On va peut-être pas t'en mettre deux, hein. Mais on va partir sur Lorenzaccio. Salut Marine! Avec Un bûcher sous la neige. Et j'adore ta pâle, Cara. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Elle est incroyable. Je veux des retours, Cara. N'hésitez pas à faire des retours encore une fois sur le serveur Discord pour partager vos ressentis et vos avis sur les livres. Et d'ailleurs, Aria, si tu veux le faire avec ta maman ou ton papa, je ne sais pas. Attends. Tibélier, je ne sais pas si tu es la mamoune ou le papou, mais tu peux passer par, tu peux le faire avec et l'écrire ensemble. Ça peut faire un bon exercice de faire des retours. Alors du coup, Aria maintenant. Je viens de créer un livre addict à Aria. Elle lit pas mal les soirs, deux mangas environ, et veut attaquer à lire plus de romans, mais n'arrive pas à choisir. Merci beaucoup. Aria qui a donc 10 ans, qui est une grande fifille, mais on va quand même éviter de lui mettre des livres un petit peu trop coquinous, hein. C'est sa maman, ça marche. Alors, Aria. Bonjour, j'ai 10 ans, je lis beaucoup de mangas. Je te demande de m'aider à choisir mes prochaines lectures. Carte blanche dans ma pile à lire. Voyons, voyons, voyons. Est-ce que je peux te mettre aussi les mangas du coup ou tu veux que je te mette que les romans? C'est ça, Priya, c'est ça. Step by step. Oh, et des bonnes BD aussi. Oh, Violetta, c'est mignon. Oui, de tout. Ok. De tout. Oh là là. Grosse responsabilité. Alors. C'est quoi ça? C'est un roman? Ah, il y a les trois épisodes à l'intérieur. C'est un roman avec les trois. Ah oui, il a l'air un peu long quand même. On va peut-être pas mettre lui pour commencer. Alors celui-là, je pense que ça se lit pas forcément dans l'ordre. Je regarde un petit peu, hein. Ah, les livres addicts. Aria compte sur nous. Oui, ok, ils ont l'air d'être assez indépendants les uns des autres. C'est pas mal ça. Ok. Ah, le pays des contes était très sympathique. Il a l'air très sympa aussi. Et de la BD, du Violetta. King il n'y a pas d'ordre. Ok, très bien. Alors, en case 1. Lui, il est quand même gros. On va le garder pour après. Mais je vais te le mettre. Alors, en case 1, on va mettre Kinra Girls, tome 0,4. Très précis, hein. Ah, on a une cliente très importante. On a une élève très importante, Vic. On a une élève très importante, effectivement. Dans la case. Celui-là, ça sera pour la prochaine fois, je pense. Dans la case 2. Violetta, saison 1, tome 1. C'est quoi ça? C'est une BD ou c'est un roman? J'ai l'impression que c'est un roman. Ouais, je crois bien. Dans la case 3, Zoé tout court. Non, dans la case 4, Zoé tout court, et dans la case 3, Le pays des contes, tome 1. Lui là. Ah, je pense. Je l'avais lu, lui. Je l'ai lu il y a longtemps. Je crois que j'avais le tome 2 dans ma palle, d'ailleurs. Je crois pas que je l'ai lu. Il était vraiment sympa.
Je ne serais pas étonnée que ce soit celui que tu préfères de tout ce que tu vas lire là. On va quand même rajouter un petit peu de manga. Ah déjà, j'ai envie de faire la fofolle. Je t'ajoute dans la case 4. Non, dans la case... je ne sais pas où je le mets. Dans la case 2 ou dans la case 4? Dans la case 2, Kinra Girls, tome 17. Et dans la case 4, Violetta, saison 1, tome 2. Ah ben je fais de toi une élue, Arya. Hein. Ah bah ben là, on y va, là. Hein. Ça bourrine. Hein. Dans la case 1, je te mets Les carnets de cerises, tome 1 et 2. Tu vas adorer, je pense. C'est magnifique comme BD. Il y a Poupette qui s'installe. C'est que Poupette valide. Hop. Et dans la case 3. Hachi et Maruru, chat des rues, tome 2 et 3. Oui, on parle de chat, ma poupette. Mais oui. Mais oui. Ah, moi j'adore les carnets de cerises. Hein. Ça se lit à tout âge. Hein. Eh ben écoute, ça me semble une très bonne petite palle. Enfin, pas si petite que ça. Est-ce que je pousserais et que j'ajouterais un petit bonus? Allez, tu sais quoi? En case 2, je t'ajoute Coco l'île magique, tome 1. Et en case 4, Puccino Niki. Elle lit deux mangas par soir d'habitude. Hein. Donc, je les ai pris pour moi, les carnets de cerises, mais elle me les a piqués pour lire avant. Ah, bah, je comprends. Thibaut traumatise des enfants. Mais non, je suis sûre que Ariane n'est pas traumatisée. En vrai, si elle lit deux mangas par soir, regarde, ça va partir très très vite, hein. Ah, moi je pense qu'elle va tout manger très très vite, hein. Et on est bon pour Aria. J'espère que ça te convient, Bichette, et je te souhaite plein de belles lectures. Ah bah oui, on a une grosse lectrice, ça va clairement, hein. Oh, c'est trop mignon, Marine. Et on finit ce stream avec Leslie. Et mon Dieu, pour une fois, on a un stream d'une durée. Ça faisait longtemps qu'on a réussi à retrouver une durée normale pour les streams. Leslie, 1-1-1-1-1. C'est la première fois que je fais ma demande, donc je suis vraiment désolée si je ne suis pas claire ou que je ne fais pas les choses correctement. Bon, ce deux livres addict est Leslie 1. Je lis deux livres par case. Eh bien, j'aimerais juste ne pas avoir le priori de l'oranger qui me fait peur. Oui, je comprends. Le priori de l'oranger fait peur à tout le monde. À juste titre. Si je peux me permettre. Hop là, hop. Parce qu'autant Babel, franchement, il se lit bien, autant le prieuré. Oh, moi je l'ai traîné. Hein. Oh là 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 là, je l'ai traîné. Hein. Alors, les slinounettes. J'ai pas de liste, je pense pas. Hein. Non. T'as une petite palle, t'as pas besoin de faire une liste à ce stade. Hein. Faudra pas que t'hésites à me demander en ami, les slis, du coup. Hein. Moi j'ai filé. Ah ouais? Moi je me suis fait schmoutz. Ah, y a Babel! Tout le monde va lire Babel, je suis très heureuse. Alors, deux par case, c'est ça? Après, elle a peur du prieuré de l'oranger, donc Babel, c'est un peu vache. Après, elle a aussi Crescent City en soi. Hein. Où t'en es dans un cotard, Leslie? On doutait. En case 3, à cotard tome 3. Vic. Ah, neuneu! Neuneu! Qui va faire une ligne. Bravo du coup à Wattel et Titi qui ont fini. Hop. Les 10 d'avant. C'était beau. Ah bah c'est que t'as aimé un chaton, ça se commande pas. Hein. Dans la case 1, Harry Potter tome 1 avec Gilded tome 1. Dans la case 2, Babel. Pardon, Nono, je suis allée un peu vite.
J'attends de voir si elle s'en sort. Parfait. En case 3, A Forgery of Roses avec Akotar. Et en case 4, Le Chant des Déesses, tome 1. Avec Les Impatientes. C'est vrai, Gaïa, t'as raison. Ah, ou alors, à la place des impatientes, je mets La Vie Invisible d'Addie LaRue. En termes de météo, c'est mieux. Et on va ajouter dans la case 2 Harleen, le comics, qui est très bon d'ailleurs, sur Harley Quinn. Je suis tout à fait d'accord, Magic Faye. Eh ben écoute, ça me semble parfait. Ben, un chaton, ça fait une toute petite pelle. On est bon pour Leslie et bravo à tous. On a tout fini. Ah, purée. Ça fait du bien d'avoir retrouvé des durées de stream humaines. Vous voyez ce que je veux dire? Faut dire, on avait bien galéré les semaines précédentes. Eh, j'étais absente 2 semaines, je l'ai payé, hein. Ah bah là, 2 bonnes heures, ouais. 2 bonnes heures, mais oui, bon, j'ai mal au ventre, donc ce qui n'aide pas, mais je suis pas éclatée ni rien, donc c'est cool, hein. On a très bien géré. Bravo les modos pour avoir été aussi efficaces que d'habitude. Bravo à vous pour votre petite curiosité habituelle et vos envies de lecture. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas, du coup, je rappelle, à faire des retours sur les lectures que vous avez faites sur le serveur Discord dans le salon Devoir Lecture. Comme ça, on peut se tenir ensemble au courant. N'hésitez pas à me taguer d'ailleurs pour les titres que vous savez que je connais. J'aime bien avoir vos avis. Et moi, du coup, je vous laisse là. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Passez une excellente, excellente soirée. Et bah, je vous aime très très fort, tout simplement. Oh, on a trop géré, ça fait du bien. Oh, je suis trop contente. Bisous!